l'État dominicain pas décidé et fait bac dans façon que l'a déporté haïtien yo, yo pral lancer opération fermer frontière des Ivenes qui donc jodi an la, les que essayer comprendre, les que essayer analyser et dans façon que l'État dominicain à travers Luis Abinader a fait méchanceté dans j'a déporté haïtien yo, mais je dis an que l'État haïtien ou dis moi est-ce que peuple haïtien yo réagi et yo prend de décision pour que ben réponse avec l'État dominicain. Nous avons venir à la conseil des Ivenes avec intervention ambassade Haïti dans OEA qui c'est Ganzi Thomas et gen Guy Philippe tout et gen avocat Guy Philippe tout qui c'est mettre Lucien Jean-Joseph, yo tout parler pour vraiment réagir par rapport avec comportement l'État dominicain gen jodi là contre haïtien des Ivenes. Mais avant de venir avec tout ça yo, ba me laisser que ou détailler vraiment sur ça qui a passé dans la tribune dans des Ivenes. Très bien, Blaise Citation. Et depuis lors, massacre fin fête dans Poissonde, et 3 octobre passé, et divers membres de la population étaient tout le temps appelés Vévoyo. De fait, tu as un groupe citoyen qui t'a massé devant le commissariat qui loge direction départementale pour t'a questionné avec le directeur départemental qui ça a décidé de faire. Qui l'a mené opération? Parce que Moun Latibonite n'est pas capable encore, selon Maître Jobed et Maître Fitzmaivière. Ça qui t'a pas permettre. Pendant journée mardi, eh bien, directeur départemental là, avec équipe policier quelqu'un avec dans diverses unités d'élite ou de combat, et avec officier kenyan, ont décidé de faire un coup de tête dans la direction de la Croix-Périsse, côté Gang Kokorat San Ras établi depuis plusieurs années. Mais M. Sayo empêche moun de fréquenter route nationale numéro 1. Eh bien, dans le cadre d'opération, si là, dans le démarrage que la police fait dans le niveau département, eh bien, il y a plusieurs bandits qui sont blessés, selon les dires. Les autorités de la police dans le niveau département de l'Antibonite. Il y a une machine zoreke, bandit de compte utilisé pour faire kidnapping et pour faire toute l'autre activité qui arrivait détruite par la police et force multinationale qui vient Kenya qui débarquait dans le département de l'Antibonite. Barrière, l'entrée CAE, numéro D, Gang Kokorat San Ras, Frère Meyer, Benji, eh bien, barrière ça, décapitonné, crasé avec coup de défense, blindé et rapio. Et dans l'espace là, si moun ki peut-être ouais vidéo ça, y a pas espace à gen piscine là, donne tellement nèg senti confortable, tellement yo à l'aise, go piscine là, yo bel caillou en couti et bel barrière yo en Louis Vuitton, eh bien la police est arrivée dans espace là. Mais blaz, nèg yo tande en pile piège. Nèg yo tande en pile piège. C'est chargé. Ces affaires, youn nan blende M rapio qui t'a suivre, yon blende noir qui avec policier que policier haïtien a piloté, malheureusement al tombé. Et dans tout, blindé M rappel à tomber dans tout, donc fait un vieux coup de volant, et qui te permet au moins que vous te prenne plus de temps, dans fait échange, pour te cap désengager, pour yon pas de perdre blindé. Parce que bandit, coco, accélération, toute résistance de blindé a fin tomber dans tout, yon te déjà préparé, yon te fin mette du fait sous blindé ça. Et bien, yon pas de chance réussi avec plan, la police désengager, et yon te continue avec opération jusqu'à ce que yon blessé plusieurs bandits. Et faut que nous faire appel ça. Il y a un policier qui arrivait touché par balle, légèrement, qui a pris soin qu'il a nécessité dans le niveau de l'hôpital à travers le département. Et parce que la police dit non, il n'y a pas de camper, opération à la poursuite, les personnes. Ça veut dire là, il y a tant de plusieurs pièges pour les policiers à travers Blendeo. Et malheureusement, on blende qui a pris un piège, mais n'était-ce pas l'autre blende qui est là, je dis là, la police doit vraiment être des victimes dans le camp. Surtout, c'est un officier kenyan. C'était un blende qui est un officier kenyan là-dedans. Ok, ok. Et puis, selon le directeur départemental, là, ça a ajouté, monsieur Kenya ou très utile, dans le cadre d'opération, mais plus gros barrière qui gagne, c'est barrière linguistique entre policiers haïtiens, akyo, mais yo dégage quand même pour faire ça, yo capable, blesse personne. Quant à pour Balatibonite, et ça qui concerne les grands griffes, dans sa vie, eh bien, continuer à monter pression sur des mouns, soit qui dans chandelle, ou bien des mouns qui dans miro, des mouns qui dans plasac, des gens qui sont dans l'Abadi, dans la troisième section communale de Tirivière Latibonite, qui permettent que Kazek, troisième section de Tirivière Latibonite, Joseph Normil, alias Koukoun, lève voile pour demander autorité dans la police pour lever pied au plus rapide, qui permettent au moins qu'ils prennent contrôle de la situation. Nous avons une chance de parler avec le directeur départemental, la questionner qui est la police a arrangé sur Tirivière Latibonite, parce que la situation est difficile, et même Yanko, Lidin, Retetan, pas trop loin, la police a gagné pour prendre contrôle ensemble de la situation. Bon, moi-même, c'est étendre et comprendre ce qu'il y a des Ivenes, parce que, pas oublier, ou même comme journaliste qui est à bousquer, à chercher information, côté que c'est pas on voit autorisé qui va tout détail ça, yo, mais qui pas oublier qu'il voit enregistrer.
et qui montre que la police présent alors force de l'audio la police et officier kenyan yo nèg yo présent yo te présent mardi 8 octobre là dans base Kokoat sans race. Et c'est vrai que Gomblin de qui te prend en piège, mais n'était-ce pas présence l'autre et en défense de l'audio. Je dis en la bagarre était très difficile pour officier kenyan yo. Et en même temps tout que et en pile mandi prend coup de balle et peut-être ça qui pral mourir par la suite ou dis-moi est-ce que ça qui pral ba connait ça pral arriver yo, mais bandi yo en pile piège. Et ça encore montrer Jean que en pile moun abdil. Je dis, avec question véhicule blindé sa yo, mes amis, la mette la police, la mette force de l'audio, dans des situations très difficiles pour mener opération. Mle sa clé pour nous. Avec question véhicule blindé sa yo, mes amis, la fait force de l'audio, victime. Et les que on blindé prend dans un piège, est-ce que nous imaginons qui volume et stratégie qui obligé déployer pour être capable de sauver policier ou dis-moi ce que agent qui n'a blindé ça yo? Et ça fait tout autant que pas de matériel sophistiqué, tout autant que pas de hélicoptère de guerre, tout autant que pas de drone sophistiqué, tout autant que pas de chat d'assaut. Et pas véhicule, ça c'est véhicule, c'est machin blindé, oui. Yo pas chat blindé. Nous osez, bon, moi à des, nous osez le chat blindé, mais yo pas chat blindé. Yo c'est de véhicule blindé. Lè que n'a parlé de chat blindé, c'est chat avec hen, chat d'assaut, kap ka lancé de série de gros coups de mortier. De gros coups de canon sous bandi yo. Est-ce que vous avez dit là? Là, nous n'avons question de véhicule blindé. Mais, les n'avons question de bon chat blindé avec deux chaînes, avec des jol mélangés. Les n'avons pas lancé des gros coups de canon piou dans des bandi yo, les ça n'avons chat blindé. Et ça fait, dans ensemble matériel que PM n'a pas fait comme on pral mandé là, faut mandé avec pays sa yo. Au moins, ba nous sexy chat d'assaut. Pendant qu'il y a ba nous machine blindé yo, mais qui ba nous tout ou sexy chat d'assaut, kap aide nous, kap utile, kap permettre que, eh bien, opération pi bien menée, et en même temps tout, ba nous des hélicoptères de guerre, ba nous des drones sophistiqués, qui ap capable localiser bandi yo. En l'air. Parce que, les que drone yo, hélicoptère yo en l'air, eh bien, eh bien, regardez, nous prenons en l'air, nous prenons en terre. Pas que vous pas bois, non? Pas que vous pas bois. Et moi, je connais de matériel sophistiqué. Que si vous baillez la police, là, vous baillez l'armée d'Haïti, vous baillez mission, vous m'avez quand même souvelé. Même là, nuit, vous êtes capable de mener opération. Gé de matériel sophistiqué, là. Si vous baillez avec force de l'audio. Même la nuit, y a quand même une opération pi bien que la journée. Parce que matériel ça yo a permet que yo identifier par voie aérienne en l'air, bandi yo pi bien. Parce que pas oublier bandi yo nèg yo kon zone yo, nèg yo kon corridor yo, nèg yo kon rage yo, nèg yo kon en l'air tête mon yo. Ça veut dire les policiers courir derrière yo, yo pral cacher dans rage. Yo pral cacher dans tête monde, yo pral cacher dans caille, les ça qui pral exposer la vie policier. Et ben, depuis que matériel en l'air drone ou hélicoptère, là capable dominer nèg yo. Et les ça, ben dire capable jouer mon pièce yo. Et tout autant que selon un pile expert, yo dit tout autant poko gessanrelé de matériel sophistiqué de drone, hélicoptère pour mener opération aérien yo. Pourquoi que de bateau pour mener opération maritime yo? Eh bien, résoudre insécurité yon, la prend en pile temps. Et m'kwè que autorité yo, yo dwe accentuer sou ça. Yo dwe mette accent sou ça. Parce que c'est pas peu de faire 20 et 30, 15, 40, 10, 50 véhicules blindés rentrés. Oui, yo utile, oui, yo important. Mais nous besoin vraiment de matériel qui capable de répondre avec ça comme situation.
Nous besoin bon jan matériel encore après dit. Matériel qui capable répondre avec ça là comme situation. Parce que à chaque situation qu'on fait face, li mandé pour adopter un comportement. Ça veut dire gens que insécurité est là, li besoin pour que la police là gagne de matériel qui répond qui adéquat avec modèle opération que la mené yo. Mais tout autant c'est des véhicules blindés ça nous gagner. Eh bien, résoudre insécurité hein, la prend nous des temps. Et moi que autorité yo doit comprendre ça et doit garder dimension ça des Ivenes. Très bien, la situation. Et en pile et spécialiste dans la question ça et essayer garder plusieurs fois parce que garder véhicule ça comme véhicule de transportation des troupes qui captent en troupe dès un point pour aller dans l'autre point. Mais malheureusement, suite avec la situation que le pays a trouvé, nous utilisons pour nous faire autant pour c'est des blindés de combat qui ont attaqué gang dans fief. En pile fois, opération ou bien fiasco qui fait là-dedans, c'est parce que ensemble équipement yo pas respecté les normes des personnes. Tant que j'en saute garder vie aérienne dans ensemble opération yo, li est super important. Li important pile, le premier ministre t'a parlé de hélicoptère qui t'a venu, en pile monde t'a pensé que c'était hélicoptère de combat t'a pas permettre au moins que t'essaie donc te garder pour une opération t'a cap mener. Mais le contraire, ça moun yo garder hélicoptère qui vient là c'est hélicoptère de flan, hélicoptère de promenade que premier ministre gagné soit pour qu'à déplacer d'une zone pour aller dans l'autre zone avec membre gouvernement les citoyens. Yeah. Je dis la police pratiquement besoin équipement parle. Pendant nous sortir, est-ce que dans des machines pour aller décrocher des matériels volants qui pral gen drone, qui pral gen hélicoptère qui cap permettre que la police au moins plus efficace dans opération parce que ensemble ça qui gen là les citoyens. Il pas pratiquement opération qui cap durer 2-3 mois. Depuis des matériels, les besoins de volonté, bon côté ensemble policiers, dans diverses unités qui ont sorti, dans diverses unités qui ont trouvé, à partir de ça, ça que nous souhaitons joindre, qui c'est sécurité, craser gang, pour permettre ensemble activité, l'autre secteur capable de bouger, la fête avec facilité, les situations et les amis internautes. Qu'on y a, on essaie de regarder. Question volonté. Est-ce que volonté au match? Est-ce que volonté au rété kembe? Est-ce que volonté est toujours là? Soit à bon côté la police, soit à bon côté et gouvernement à travers la présidence. Est-ce que volonté est là? Bon côté et comment t'as dit chef CSPN, le premier ministre. Est-ce que vous avez volonté vraiment? Est-ce que ce n'est pas des promesses qu'il y a à faire pour qu'il y ait temps passé? Parce que je ne dis pas oublier qu'il y a déjà annoncé une prolongation ou transition politique là. OK? Prolongation, tu vis dans ça, en pile fois que vous avez le temps de l'église, mon cher, vous avez perdu en pile temps dans l'opération que vous avez menée. Ça permet que la situation paraît difficile pour vous, vous avez un temps en plus. Est-ce que le peuple haïtien a pris le temps toujours face avec ça qu'on est là, dans la situation que vous avez moi-même, si vous avez répondu pour tout le peuple, je dis donc que vous n'êtes pas capable encore, il faut que vous avez un bagage qui fait pour changer la situation de la situation. Et, mais vous avez dit ça pour nous garder, est-ce que fait intervention dans la base de la situation? Et après ça retourner parce que ça pour regarder c'est réalité hein oui c'est situation présentée en façon qui fait que policiers yo puisque pas oublier que et connaissance avec basque quoi de Saint-Ras là pas aussi facile mais quand même des ça pour nous comprendre c'est une grande première si force de l'audio yo capable river dans basque quoi de Saint-Ras côté qui river craser barrière la caille deuxième chef gang nan et plusieurs bandits prend balle ça qui peut être pral mourir par la suite nous pas connait et ça montre que désir gagner si que gain volonté détermination et si gain matériel force de l'ordre capable faire plus que ça. OK, yo ka faire plus que ça et si pour aller plus loin yo capable même de les bandits yo même. M'a dit je dis à demain non. M'a dit dans une semaine non. Mais c'est volonté qui bouge d'abord et c'est information pour que la police a gagné attend tout. Et c'est bon genre matériel pour le gagner. Parce que imaginez nèg yo ten en pile pièce pour police yo, nèg yo coupé pont, nèg yo mettre ensemble des embuscades. Ça veut dire que si force de l'audio informé de ça, ça pourra le permettre que vous évitez pour vous pas prendre dans piège, dans embuscade bandi. Mais quand même, rivé dans fief bandi kokwa sans ratio, et monsieur Koury,
c'est pas là suite que yo retourné et moi c'est que faut yo regarder, faut yo repenser, faut yo réanalyser mode opération force de l'audio. Mais en pile monde déjà comprendre et déjà ouais, si force de l'audio gen moyen, yo gen information, yo gen un ressource qui répond, y a capable au moins ben résultat espéré. Parce que bagala est clair. Bandi yo connaît clairement yo pa ka goumen avec la police. Y a pas aucun côté phosphère noir goumen avec lumière. Pas aucun côté phosphère noir goumen avec lumière. Comme si vous pensez que yo ka venir goumen avec la police. Yo ka prend force de l'ordre dans piège. Yo ka fait assaut sans attendre sous population civile. Mais cette histoire pour les camper, y a chanté kata moi pendant que force de l'ordre a privé sur un menti, y a couru y a marron. Mais la police regardez, repenser et stratégie que n'a regardé yo. C'est déjà un signe que nous voyez bay bandi ko kwa sans race et qui t'a déjà voyé tout bay bandi bas grand grif yo qui s'est mettre causé hein. Mais faut prendre ça très au sérieux. Très très au sérieux. Parce que je dis, situation très très compliquée. Il est vraiment compliqué des événements que nous allons regarder. Kounya la, dossier AICC Domenyo pendant que nous allons venir avec des déclarations. Blaise, citoyen haïtien qui est en République Dominicaine, c'était bagaille qui te prévoit à ça qui a passé. Investiture, Luis Abinadel te dit nous que situation est difficile parce que c'est vrai qu'il dit est-ce que l'enterrement est bon. Exactement. Yo invité pour nous participer dans l'investiture par rapport avec sanctions que yo gagné qui a pesé sous donne avion pas qu'à rentrer sorti Haïti à la République Dominicaine côté et soit passager qui a décidé pour aller quand même en République Dominicaine à travers avion mais on t'a créé couloir diplomatique pour te permettre que tu recevoir autorité haïtienne. Exact. Ministre affaires étrangères pays a te dit qu'il n'est pas question créer couloir humanitaire. Si le peuple n'a pas gagné possibilité pour entrer en République Dominicaine, même si même n'a pas possibilité, il n'a pas bralé. Nous sommes clairs pour nous dire, après la décision, Luis Abinadel prendre des décisions qui sont sévères contre les Haïtiens qui se trouvent en République Dominicaine. Il n'a pas pris trop de temps pour l'agir. C'est 10 000 Haïtiens qui prévoient déporter chaque semaine. Est-ce que ça n'a pas une idée? Sur quantité haïtien qui vivent sur terre là. Oui, si ça baille on idée. Je dis on va prendre tout ensemble autorité yo a dit je suis jeté, je suis embassé, c'est yo tout a parlé. Mais est-ce que yo te arrangé yo pour yo te prévoir que ça va arriver parce que on connaît peuple dominicain son peuple qui rentre dans initiative presque chaque jour n'en fait vengeance. Sur quel que soit sujet, sur quel que soit ça, t'a cap gain surtout avec haïtien. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ça? C'est jeudi, après situation vient compliquée pour haïtiens, ou tant que autorité haïtienne nous dit qu'il a arrangé pour préparer abri, pour préparer moyen pour recevoir haïtiens qui a sorti en République Dominicaine pour rentrer la caillou en Haïti. En plus, là, vous avez rentré sans pas un document d'identification, vous n'avez pas une pièce. Passeport que vous avez gagné dans la caillou, vous n'avez pas prendre. Carte d'identité que vous avez gagné, vous n'avez pas prendre. Et toutes les données. Tout la pièce que vous avez gagné, qui vous avez identifié, vous n'avez pas gagné la même. Vous trouvez que vous avez une situation très difficile, côté la police, en mode d'opération contre les gangs. Compatriotes, ça a été depuis un bon bout de temps. Est-ce que vous n'avez pas sujet à victime dans rentrer dans le pays? En regardant l'espace de résistance, côté qui est monde qui mette brigade, est-ce que vous avez l'État, on ne peut pas rendre que vous victime, si vous avez des mesures qui prend depuis à la base, surtout dans la frontière, côté à venir pour rapatrier Mounsayo, pour conduire et dans des conditions qui ont empêché que les victimes, ni en bas mais la police, ni en bas mais la population civile, cap vers zone par rapport avec Bandi qui a échappé parce que l'opération a fait dans Port-au-Prince, l'opération dans le département de la Tibonite, en pile l'aide qui n'a pas envie de sauver. La fait que l'autorité a besoin bien coordonner question de Sable Station pour empêcher que les citoyens qui ont couru quitter la République Dominicaine pour situation difficile parmi les victimes de la caille de Sable Station. Désir, qu'on a en venir avec des séries de réactions, qu'on a venir avec Guy Philippe, monsieur qui dit mon parle situation sur situation haïtienne dans ce domaine, et en même temps, tout le avocat, Lucien Jean-Joseph qui parlait, mais avant tout, en venir avec Guy Philippe qui a parlé sur le dossier ça des Ivenesses.
Bon, maman, et si vous me pissez de l'école, qui est-ce que vous avez dit? Quand ça se comprend, ça se Moun ki soti kal travay ki te pe madame yo bien mari yo nan kay, petit yo nan kay, immigration pou se demen y ale. E nèg yo fè la rata kon plaisanterie. Sou wè sou tout video, sou tout bagay, nèg yo a fè la chasse a l'homme. Et bien ayisyen a kouri, ayisyen tout patou, a voli tèt nou. Nèg yo pase nan la blou. Mwen pense ke fòk ayisyen, kèm jan kote la viv, lè mwen bagay sa yo, fòk li indigné. Et kom li indigné, fòk li pren desisyon pou wè ki jan pou l'fè peyil, vive un pi bon moment. Il y a trop difficile, il faut que nous changions. Et pour changer, il faut que c'est nous tous qui mettons nous là-dedans. Ça va passer ces domaines, c'est une garde pour son dé. Des nègres, des bandits, ils prennent à nous tuer plus que 70 personnes dans la localité, dans le petit côté. Oui. 70 personnes contre l'État. Pendant ce temps, on a dit, nègres, nous, c'est parti, c'est voir pied, c'est bagaille. Côté ministère Affaires étrangères, quand le président Edgar Leblanc t'a parlé de Dessalines dernièrement, moi, je pense que l'État, c'est un rôle, président Edgar Leblanc. Qui se parle, j'en ai parlé dans l'ONU, soi-disant, mais Haïti, parler de Dessalines, de l'histoire, même dans même temps, invité pour venir dans le pays. Mais au moins, il a fait ministre des Affaires étrangères, il a convoqué l'ambassadeur dominicain et déclaré une personne non grata et balle 48 heures pour quitter le pays. Exactement. Ce n'est pas normal pour faire Haïtien passer, ça fait passer la République dominicaine. Maman quitte petit à l'école, il prend maman. Il a le travail, il prend, il quitte toute famille, tout ça, bien, tout si bien. Il n'est pas normal pour traiter ton peuple comme ça, et puis nous-mêmes, comme dirigeants, nous avons regardé. Donc, c'est deux voix. On dame yo déporté là, yo déporté on dame là, à un petit bébé 3 mois. Un petit bébé 3 mois. Dame l'enflé la famille. J'ai la gueule dans mon monde pour l'aller. Son bail qui est extrêmement grave. On pense que c'est parce que l'État nous absent et qui cause situation ça yo, il va présenter dans la communauté haïtienne, République dominicaine. C'est n'importe quoi de sérieux. Il y a eu humilié pour comme ça. Premier bagage, on va convoquer l'ambassadeur pays ça qui la caille. On va convoquer, on va mettre en garde. Si on ne va pas rectifier ça à faire, on mettez le dehors. On déclare que personne n'a pas garde, on mettez le dehors. Ouais, parce... Dominique, il y a plus pour le perdu. Dominique, il y a plus pour le perdu tout. Oui, non, on lutte avec Haïti. L'économie va dépendre de nous. Ni dans la construction, ni dans le bagage importé pour nous consommer la gagne. Et toi, quand ça a importé dans la République dominicaine, nous avons produit en Haïti. Oui. C'est parce que le gouvernement n'a pas de volonté politique pour faire Haïti jouer une autosuffisance alimentaire que nous avons besoin, que nous avons cherché, que nous devons gagner. Donc, bagay ça a indigné. Donc, nous avons dit que le 17 octobre, là, c'est pas un mouvement, mais c'est un mouvement peuple haïtien pour lui. C'est nous tous qui pouvons encourager nous sortir. Si tout le monde est de la caillou, il y a plein de belles merveilles, il y a plein de bruits regarder, rien n'est pas fait. Mais si nous tous prenons la vie, nous pas les changements. Nous forçons les changements à faire. Ouais, la fête. Mais il faut que c'est haïtien qui accepte prendre responsabilité. Ce n'est pas chita, parler, voler TikTok, voler bagaille, et faire belle commentaire, dire, mais dans le pays, il y a la bouche. Je dis à pays, il y a besoin de sacrifice petit. Je ne sais pas que c'est Haïti qui est mauvais maman. Ça, ou bien son maman qui est mauvais vote. Et sénateur, c'est un point. Nous tenions pour nous débattre après-midi via les relations. Nous connaissons, nous sommes monde qui développent de très bonnes relations avec la République dominicaine, bien que nous pouvons, c'est pas au même cap diriger qu'on y a, pas de grandes choses ou capable de faire dans ça. Donc, est-ce que, selon même l'État, pas capable de remettre cherchons solution et à situation ça. C'est-à-dire pour joindre une possibilité pour Haïtiens qui en République dominicaine joindre une possibilité pour rester légalement sur le territoire. Est-ce que deux gouvernements n'ont pas qu'à mettre tête ensemble pour chercher un plan comme ça? Maman, moi, toujours pensé que nous deux avons sous il faut que nous attendons. Nous avons une grosse force économique qui est là pour nous tous. Mais il faut qu'il fasse un respect. Bon, à fond qu'il fait jeudi à la à peu près Haïtien. Ça qu'il fait là, sont à fond. Pour ici, on commence à traiter, on commence à courir derrière, et puis à briller dans toute bagarre, ils sont affolés. On pense que faut que l'État ici prenne ses habitudes. Le ministre des Affaires étrangères a supposé convoquer l'ambassadeur dominicain en Haïti. Supposé et obligé. Et ensuite, pour nous, les gens disent là, comment nous avons rectifié ça? Comment nous avons corrigé et ça, par exemple, nous avons fait encore? Nous connaissons bien un pile de jeunes garçons, de jeunes femmes, qui ont étudié là-bas. Et malheureusement, beaucoup de capacité. Signal là, à Haïti pour le signal. Donc, nous vivons que nous n'avons pas de capacité pour nous-mêmes, nous qui avons recevoir étudiants. Avec l'argent coopératif. Ils prennent tout ce qui est paille et classement et nous, tout ce qui est paille, nous, ils prennent, ils volent et ils ne nous disent rien. Regardez ce qui passe avec Petro-Caribé. Gouvernement privé, la gouvernement Matéli, gouvernement privé, volent tout. C'est comme ça. Ça va faire. Ils ne peuvent pas plaider jusqu'à ce que Jésus-Christ tourne. Mais nous allons vous montrer qui ça va faire comme ça. Moi, toujours dis là, il y a un problème, il y a un problème de sécurité. Mais c'est un problème qui a résolu dans 90. N'importe qui, genre, on est assez mieux, de volonté politique, avec force féminine, là, force nationale, police, l'armée, des ça, nous avons crasé le phénomène de sécurité en 90 jours. Si bon gouvernement sérieux de volonté politique pour faire,
mais il va faire, il va plus faire. Et stabilité à bon pour vous, monsieur. Monsieur, c'est pire, vous besoin de Haïti, sous sol, oui. Tout le monde va y faire pour nous déplacer. Et moi, je vais me quitter, vous retourner encore, non? Parce que ça, quand vous assez, vous besoin de voler. Vous avez besoin de faire une constitution sur mesure de vous faire après, et vous avez fini d'occuper Haïti. Après la première occupation, vous avez fait une constitution sous monsieur de météo. Vous avez besoin de faire une constitution pour l'égalité dans le pays, vous voulez faire sur Haïti. Et peut-être tout le matin, c'est pire, vous besoin de piller sous sol, non? C'est ça, vous besoin de changer la constitution pays. Désir, ça c'est exactement Guy Philippe, mais ça ne va oublier tout. Comment a dit ce bas, monsieur, ça, monsieur Guy Philippe dit, hein? Guy Philippe parlait tant qu'il y a un soldat. Guy Philippe parlait tant qu'il y a son militaire en fonction de la situation. C'est avancer avec un bagage qui est important là. Il y a un point super important. Côté l'imandé pour décréter personnel non grata, yeah, ambassadeur République Dominicaine en Haïti. Mais est-ce que l'autorité que nous avons là a bien couillé? Est-ce que l'autorité que nous avons là a bien capacité, a bien courage de faire un groupe comme ça? À mon avis, pas quoi capable. Parce que en pile dans le souche en République Dominicaine, en pile dans le Luis Abinadel, ses boss, ses patrons, ça permet qu'il n'est pas capable. Il va prendre une décision ça. Bataille là, c'est pour les haïtiens. Que les peuples haïtiens fait bataille là. Dans le niveau tout stratégique qui permet que la République Dominicaine l'y rétracte et peut pas y se prendre ça qui a de fait. Qui a fait rétracter la situation. Moi-même, ouais, depuis le que Luis Abinadel a annoncé que chaque semaine il pourrait rapatrier 10 000 haïtiens, ministre des Affaires étrangères haïtien Dominique Dupuy, l'été doué qui est convoqué ambassadeur et c'est en Haïti. Bien avant de commencer avec ça. Et pour montrer avec Luis Abinadel, et s'il acceptait de faire ça, mais ça diplomatiquement comme réponse que l'État ici à Bali. Et maintenant, qui niveau que dossier privé? Elle avait dit, pour te même déjà voué un pinga, on s'y a balu Sabinadel, pour que même commencer vague déportation que l'a fait là. Et je dis, hein, il a déjà commencé, il a déjà déporté plus que 5 000 Haïtiens en 3 octobre, arrivé 6 octobre, et il continue à déporter Haïtiens. Donc, je dis, il a besoin que l'État haïtien, lui-même, arrange pour permettre que il gère la situation ça. Il est important pour gérer et il est clair que il n'y a pas qu'à quitter le pays à tomber dans le niveau ça des Ibanez. En venant avec M. Lucien Jean-Joseph, qui lui-même c'est avocat Guy Philippe que nous connaissons, mais tout lui-même qui est mot parle, mot du droit parle, que l'a dit dans la question de déportation et haïtien, et que l'État dominicain, que Luis Abinadel lui-même a fait de façon violation. Pour les gens déporter ces domaines, pour information, pour la vérité et pour Christ. Ah, t'allais, bah, m'tourne avec ça, désir. Bah, m'tourne avec ça. Catégorie moun yo déporté, c'est. On dit que, ou pas bay haïtien visa, ou pas gen droit gen ambassade en Haïti. Si on dit ou pas bay haïtien visa, ou pas gen droit gen consulat en Haïti. Sur ce, nous pral mandé pour gouvernement noir couper tout pont avec la République Dominicaine. Et nous lançons un message. Tout haïtien qui est en République Dominicaine, entrez la caille nous. Commencez à faire grève. Pas le travail, parce que la République Dominicaine dépend de Haïtiens. Tout travail sale, c'est Haïtiens qui acceptent de faire. Peuple Dominicain, son peuple qui m'embauche. Mais Haïtiens acceptent de travailler avec dignité. N'a demandé, et ONM, n'a demandé, OIM, préparer des équipements pour nous recevoir Haïtiens, nous. Parce que c'est la caillou qui a tourné. C'est la carrière à tourner nous-mêmes, faut que nous prêts pour nous recevoir. Yo. Et là, on a tout le monde qui a des moyens. Qui est dans la diaspora, qui est dans le local, qui est dans le gouvernement. Si ce n'est pas un gourmet pour pouvoir, on nous fait une trêve pour nous recevoir Haïtiens, ça y est, que Dominique a tourné la carrière. Est-ce que c'est pas celle-ci, Dominique a fait? Bahamas a fait là. Jamaïque a fait. Il y a un pile Haïtien qui a déporté là. Au lieu que nous gourmet pour nous chercher pouvoir, pour nous chercher ministère, pour nous demander fort, qu'on va nous dire ce qu'on va nous dire. On nous fait un recul. Si monsieur examine, monsieur observe un trêve, permet la population de faire une activité pour au moins ça qui vient sous nous pour nous anticiper. Et maintenant, c'est un autre message qui est important, qui est extrêmement important. Et je souhaite nous prendre un TikTok avec elle. Monde qui a déporté, pas oublier que vous prenez tout document, c'est celui de monde qui a venu sans document. Et il y a un qui est victime déjà de l'opération Bois Calé. Je demande des magistrats qui sont là. Je demande des magistrats qui sont là. Les gens qui sont équipe pour préparer Bois Calé au niveau plateau central. Monsieur, je demande de nous lever. Pour qui ça? Parce que
Quand pile haïtien frère nous sœur nous y a déporté là, yo pas de document, yo prend document yo jeté yo. Et n'a demandé directeur départemental à travers du département yo pour au moins moun sa yo pour nous bailler autorisation temporaire pour fonctionner dans pays. Et c'est seul moyen pour nous sauver yo parce que jodiyan là le fait que des grands pile moun qui t'est évadé prison, moun sa yo pas de document tout. Mais là, moun nan sorti République Dominicaine, il y a des questions que vous avez posées, vous avez senti. C'est au moun que vous déporté. D'ailleurs, vous déporté très mal. Des moun vous déporté avec sandales. Des qui viennent pied à terre. Des qui viennent avec bout de pâte. Monsieur, c'est un bagage grave, monsieur. Au nom de la famille, lui, Sabina, le temps où qui va une famille, pour mon dame, ma dame, dame, qui a crié, monsieur. Il y a trois petites lignes d'école. Vous prenez, vous déportez, vous quittez, vous quittez. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Même si que nous avons un mandat international de Poutine pour nous dire qu'il a déporté l'Ukrainien, Timoun Ukrainien, c'est même si l'acte au point, parent ou déporté ou quitter Timoun, c'est crime lié. C'est ça qui fait que je demande avocat à travers 18 juridictions. Pas besoin de se bâtonner pour nous l'ordre. Nous avons un pays pour nous sauver. Avocat qui nous sont frontalier, comment se soulever, comment se faire des sittings. Faut que nous baillons République Dominicaine une réponse. On nous met des conflits internes nous de côté parce qu'il y a un pays à sauver. Merci. Et conférence précédente, on a toujours dit il y a trois vices où on doit chasser si on veut faire pays. On a toujours dit c'est incompétence, lâcheté et traîtrise. Je dis, c'est trois vices qui mettaient Haïti côté lié à Jodia. C'est l'incompétence, lâcheté et traîtrise. Qui ça me dit pas là? Permettez-moi de faire une petite frange dans l'histoire nous sur ça qui était passé le 2 octobre 1937 en République Dominicaine. Pas oublier que nous avons un président qui était Leonidas Trujillo Molina qui était décidé pour massacrer plus que 30 000 personnes en République Dominicaine. Et méthode que ont utilisé pour ont assassiner moun sa yo, c'est ça qui fait que massacre pral porté le nom de massacre du Percy, ça veut dire en espagnol. Le fait que yo pas ka identifier effectivement dominicain avec haïtien, yo ont utilisé un langage qui s'alteye, c'est et quoi que littéralé et massacre du persil. Massacre du persil, le qui s'altère, c'est péril. Automatiquement, que soldat dominicain, mando pour prononcer non ça, ou pas qu'à prononcer, yon massacre. Et après, massacre, quelques mois après, nous avons joué un accord avec la République dominicaine. Pour nous dire que, ok, territoire haïtien, dominicain pas violé. Territoire dominicain haïtien pas violé et pour te permettre haïtien qui vivent en République dominicaine yo gagne une vie paisible pour te respecter droit yo. Et nous ka gade tout dernièrement là n'a pas c'est même 2 octobre 2024 Luis Abinader prend même décision. Le 2 octobre 2024 Luis Abinader prend décision qu'on a pour déporter près de 10 000 haïtiens par semaine. Et pour aller plus loin, yo gen magistrat yo qui c'est Abel Martinez qui c'est magistrat et Santiago li dit que li pas besoin aucun haïtien vin investir dans pays yo, li pas besoin aucun haïtien vin construire dans pays yo, dominicain pas besoin retourner la caillou. Pour qui ça que il dit? On nous prend exemple avec ancien sénateur nous te gen dans le nord qui t'a fait l'hôpital Saint-Domingue pendant ce temps que au cap besoin l'hôpital. Nous avons un pile de monde ici qui est politique, qui est sénateur, qui est député, qui est président, qui est encore ministre, qui a construit ces domaines, qui a investi ces domaines pendant ce temps, qui a quitté le pays. Donc, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut avoir Abel Martinez quand il dit que il n'y a pas besoin qu'un haïtien vienne construire dans le pays ou bien vienne investir dans le pays. Ça veut dire qui ça? Je dis en silence complice ça. Où est nous gagnons là? C'est parce que la majorité. Dans les politiciens, nous investissons en République Dominicaine.
yo parle maintenant pour Luis Abinadel ordonner saisi bien yo, yo obligé pas qu'à parler. Combien organisation droits humains nous qui parlent pour Mounio? Et nous disons que des spécialistes en droit international. Combien nan yo nous qui parlent pour Haïtien sa yo? Et si que nous t'a fait pays, automatiquement que yo commencé déporter Haïtien yo, ministre affaires étrangères moyen, li t'a convoqué ambassadeur dominicain pour une bal explication sous déportation massive ça qu'a fait République dominicaine. Et faut me dire nous, c'est quatre types de quatre catégories moun yo déporter ces domaines pour information, pour la vérité et pour l'histoire. Première catégorie c'est afro dominicain. Afro dominicain c'est celui de moun comme si papa yo ou bien grand-papa yo t'es africain. Ouais, ça me donne qui fait un République dominicaine, un pour exemple, et Molina. On est en pour essayer une petite dame qui est allée représenter Saint-Domingue en athlétisme. Et si on joue en a Saint-Domingue dans la rue, malgré que c'est douloureux là, il y a plein de déportés. Deuxième catégorie moun que déporté là, c'est dominicain d'origine haïtienne. Ça, ça veut dire, c'est des dominicains qui fait le droit soit de père ou de mère haïtien, et puis soit de père ou de mère dominicain. Dominicain, ça va bien, c'est douloureux. Depuis que nous dans la rue entre cheveux crépus, ils ont déporté. Troisième catégorie, moun, ils ont déporté, c'est des étudiants. Nous connaissons que c'est domaine qu'on y a là, c'est visa un an. Et nous connaissons que ça a plus passé un an que c'est domaine pas de visa. Tout le monde a quitté un visa qu'on y a là, illégal en République dominicaine. Et c'est le monde qui a été visé. Quatrième catégorie, c'est moun qui sans papier. Moun sa ou se seye de moun ki soit ki fait Saint-Domingue ou bien ki Saint-Domingue longtemps mais ki pa jam gen papier. Et pour la vérité et pour l'histoire, même sou gen se doulol, depuis chez vos crépus, nèg plat, yo pou yo saisi se doulol la nan mon, yo voyo vini. Et gen sa lo et permiso de trabajo ki sa lié, c'est yon cap autorisation dominique ba ou qui permet tout travail li même tout c'est autorisation temporaire. Malgré que Haïtien ou gen permis de travail, yo pren l'an men yo, yo pimpe yo nan prison pou yo voye aussi. Gon troisième document temporaire que Dominique Baki yo le plan. Plan son lot 4 yo ba ou yo fè koba avon, chaque mois pou ap renouvelel. Malgré que Haïtien gen yel, ou e ki sa nèg yo, c'est un véritable chasse à l'homme. Et on dit que c'est des étrangers à déporter, mais non. En République Dominicaine, yon plus que 3 millions Vénézuéliens qui sans papier, yo ba déporté. Gen d'autres nationalités qui sans papier, yo pas déporté. Jodian, c'est génocide ça qui devait en 1937 là sous Trujillo, mais le fait que Luis Abinader pas qu'a fait lui parce que pas oublier, Luis Abinader pas dominicain. C'est un siro libanais. C'est même gens nous des siro libanais en Haïti, t'a maltraité peuple haïtien, c'est même gens et Luis Abinader sont siro libanais, t'a fait travail oligarque lio. Donc c'est ça que nous devons comprendre dans la déportation qu'a fait là. Et nous autres, le fait que nous connaissons des dirigeants qui font la soupe d'oreille parce que y a bien attention en République Dominicaine, y a bien bu en République Dominicaine, pourquoi nous autres, nous pas arrêter indifférents? Nous guettons chita en équipe avec des spécialistes en droit international, côté que nous pourrons déposer des plaintes, un, devant l'OEA, nous pour nous déposer plainte devant le commissariat pour les réfugiés. Nous gain pour nous porter plainte devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme parce que ça qu'a fait là c'est en violation systématique droit mounio parce que c'est pas haïtien qui t'a amené illégal li gain un passeport nan mail d'ailleurs monsieur on haïtien pas besoin visa pour notre République dominicaine il lance pour nous il l'a pas pour dominicain et ça fait chaque temps formé petit dominicain yo fait rail des salines yo fait comprendre des salines déporter assassiner et pas vrai et si des salines d'assassiner jodiant lui Abinader pas faire fréquence dans la campagne de l'Est pas oublier que des salines dit que de pour piler île d'Haïtien ou libre Haïti c'était un pèl pour tout le monde qui avait besoin aspirer à liberté. Je dis, mais ça que nous avons besoin de nous payer. Mais malheureusement, nous avons des nègres qui presque qui préfèrent goumer pour des pouvoirs. En nous gardons des qui passent là hier. Comme on peut comprendre que nous avons un conseil présidentiel Kaboulé, c'est roulement. Pour Edgar Leblanc, à avec soi. Et explication que Edgar Leblanc va vous aller avec soi, c'est valable. Pour qui ça, monsieur? Si on indexe dans la corruption. Si vous avez des avocats, et Vertiller qui t'a tenté de défendre Vertiller hier, mais il a tenté de défendre Vertiller très très mal.
Parce que bon Dieu va être clair, monsieur. Oui, aveugle, c'est un clé qui vient dans la procédure pénale. Il y a différents types d'aveux. Un pour exemple, dans l'aveugle, il y a fait. Si que y a une élection dans la corruption, ou dit ou pas dans la corruption, si ou pas dans la corruption, pour qui ça qu'on a signé un accord, accord l'an dit, puisque ou dans la corruption, ou pas cab, vin jouer le président conseil là, ou a toujours été dans le conseil là, ou accepter de signer encore là, qui ça veut dire? Ah, vous faites des aveux. Exact. De vous faire aveux ou dans la corruption, c'est là, nous allons tester l'intégrité, yon moun dans mon gouin. C'est là, nous allons tester l'honnêteté, mon gouin. Parce que une fois que l'ULCC, en tant qu'organe qui était là pour mener enquête administrative, là, il dit oui, nous jouons le monde. Désir, vous avez dit ce bail et maintenant? Bien, Blaise. Maintenant, avancer avec des approches qui sont importantes, qui sont correctes, sans pas vous remonter, pour montrer que, ensemble, aveu, qu'est-ce que vous faites, dans la responsabilité que vous gagnez, dans la question et scandale corruption. Parce que, automatiquement, que vous êtes d'accord dans la résolution, ou t'es gagné pour t'es président conseil, ou pas qu'à président conseil encore. Il est pratiquement montré que, ou admettre que vous trouvez dans une situation difficile. Exact. Là, vous faites office de président, ou décidez de descendre à l'attendre ILCC. Il y a un président, c'est la haute cour de justice qui t'a dû attendre qui est répartie entre le Sénat et la Chambre des députés, le Parlement. Bien qu'il n'y ait pas gagné, automatiquement, on a été en décembre pour t'a dû ILCC pour t'étendre, on a été déjà perdu crédibilité. Exact, yeah. Comme monde, comme président, ou bien qui fait office de la présidence. Je dis malheureusement, comme c'est bataille pour pouvoir avoir visibilité, comme c'est bataille d'intérêt, on n'a pas respecté rien comme loi qui est établie. Yo violé n'importe qui bagaille. Yo vini avec une résolution. Résolution ça a qui fin qu'elle pourra le cap servir pays à moins que et six messieurs ça qui signe. Parce que c'est aussi ce qui signe. Est-ce qui a venu conseil là par rapport avec Edgar Leblanc-Fils qui sentit que il pas à l'aise dans mitan nèg-yo et structure qui voit Edgar Leblanc-Fils mandé Edgar pour retirer col dans bagaille comme ça. N'a parlé des collectifs 30 janvier. Si vous regardez accord 21 décembre, bloc minoritaire. Il y a toujours une position pour demander lui Gérard Gilles pour être Paul. Excellent. OK. Ou après que il a présenté et Leslie Voltaire comme homme de grande culture parce que il est d'accord qu'on habite avec lui et dans le scandale qu'il est impliqué avec cette situation. Bon, bon petit cal dans l'intervention représentant haïtien et représentant permanent Haïti dans OEA, monsieur Gandhi Thomas, ce dossier et déportation. On va mettre nous dans notre débat là-dedans parce qu'il est vraiment long, mais d'après qu'il est important, mais d'après qu'il est séquence là-dedans. Monsieur le président, monsieur le secrétaire général, monsieur le secrétaire général adjoint, mesdames, messieurs les ambassadeurs, représentants permanents, distingués délégués et invités, mesdames, messieurs. La défense et le respect des droits humains doivent être universels et transcender les frontières. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir convoqué cette session à la demande de la délégation haïtienne. Je suis conscient de l'agenda chargé du Conseil permanent, mais j'apprécie profondément la compréhension de l'urgence que représente la situation de mes compatriotes en République dominicaine. Ma délégation félicite les États membres de cette organisation qui souscrivent à cette démarche non seulement en parole, mais aussi en acte. Le traitement accordé aux couches vulnérables, dont les étrangers et les migrants, est un indicateur fiable de l'importance accordée par un État à la protection et à la défense des droits humains. Mes remerciements s'adressent également aux organisations de la société civile et à tous les intervenants présents aujourd'hui. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler qu'Haïti, en dépit des crises répétées auxquelles elle est confrontée, demeure attachée aux principes de démocratie et de dialogue. Nos gouvernements successifs n'ont cessé de réaffirmer leur volonté de dialoguer avec la République dominicaine sur les nombreux sujets qui nous concernent mutuellement, tels que le commerce, le transport transfrontalier, la sécurité et bien entendu la migration.
D'ailleurs, les deux pays se sont mis d'accord pour établir un cadre de dialogue à travers la commission mixte haïtiano-dominicaine créée en 1979 et réactivée en 1996, qui continue aujourd'hui de traiter des thématiques d'intérêt commun. Monsieur le Président, Haïti est un pays pacifique qui ne cherche querelle à aucun État, encore moins à la République dominicaine. Cette intervention, loin de viser à mettre la République dominicaine sur la sellette, s'inscrit dans une démarche profondément ancrée dans les valeurs démocratiques de dialogue et de respect mutuel entre États voisins, tous deux engagés envers le système interaméricain et ses instruments, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme. L'OEA a souvent été un espace de dialogue et de négociation entre Haïti et la République dominicaine. Et c'est dans cet esprit que nous nous engageons aujourd'hui, dans l'espoir de trouver une solution respectueuse des droits fondamentaux de tous les individus concernés. Monsieur le Président, malgré les avancées en matière de droits humains dans notre région, nous assistons malheureusement à de graves violations des droits des citoyens haïtiens en République dominicaine, souvent en quête de sécurité ou de meilleures opportunités. La communauté internationale, y compris l'OEA, doit reconnaître cette politique de déportation pour ce qu'elle est, une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau. De telles actions ne sont pas seulement moralement répréhensibles, mais elles violent également des principes fondamentaux du droit international, y compris la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Puisque nous connaissons, ensemble de zones, ils sont sous menace, ils sont sous gros pression bandits armés. Après que Bandi Bas Grand Rift te fait faire gros massacre ça, jeudi qui était 3 octobre, là, jusqu'à présent, moun ka vive dans différentes localités dans profondeur, yo abdomi, yo j'ai fermé, yo j'ai l'ouvri parce que ou pas connait qui joue qui les que bandi bas grand griffe a envahi zone là. C'est vrai que la police est déployée depuis vendredi qui était 4 octobre 2024 là certes, mais jusqu'à présent, attend moun yo poko comblé parce que yo pas qu'attendre pour que la police vraiment maré ou dis-moi est-ce que ça cap tomber dans échange avec la police. Nan bas koukoua de Sangas, nan bas grand griffe, après gros massacre sa monsieur ou fait, sous moun nan ponsonde. Et je dis en tout, gen pile l'autre zone qui en de payant et qui sous menace bandi, soit bandi nan Gressier, soit bandi nan Badelma, soit que bandi nan village de Dieu, nan Etiboua, Grand Ravine. C'est que je dis en pile projecte à mettre sous ensemble de zone, parce que bandi ou vle attaquer, bandi ou vle et finir avec pays. Et j'en dis le désir, m'a demandé avec confrère consomme yo dans médias traditionnels, dans médias en ligne yo, pour que yo capable faire toute attention parce que barbecue by Lord avec tout bandi nan vivre ensemble pour que yo capable kidnapper soit touyer et journaliste qui capé en face et mes groupe vivre ensemble barbecue by Lord. Il clairement dit que depuis son journaliste qui campait en face vivre ensemble, yo compte vivre ensemble, et ben li passer l'autre formel avec tout bandi en vivre ensemble pour que yo capable prendre journaliste ça et s'il dérefuser rentrer dans base, attendez bien mes amis, si journaliste ça dérefuser rentrer dans base, et ben bandi qui prend journaliste ça, ba journaliste ça que le mérité. Il dit créole parler, créole comprendre. Qui donc jodian son pays que c'est bandi qui a fait et défait la donne, c'est bandi qui a imposé la loi, c'est bandi qui a décidé. Dans ces temps, autant de que nouveau président KPTA, Leslie Voltaire, a organisé une réunion stratégique avec un PMAI qui c'est Carlos Hercule, avec le commandement de la police et puis le état-major l'armée sous question sécurité en notre pays. Est-ce que nous loin pour une sécurité? Est-ce que sécurité est prêt? Puisque nous connaissons que le gouvernement qui l'a, pouvoir qui l'a, il dit qu'il faut organiser l'élection. Organiser l'élection dans quel contexte, dans quel moment et dans quel côté, dans quel espace, dans quelle situation?
temps que vous pourrez organiser l'élection de la PA des Yvenesse. La situation donc aujourd'hui ensemble discussion dans mitan divers acteurs politiques économiques dans société civile là des jours jour il y a venir rendre que situation vient quatre fois plus difficile et ben une confrontation entre KPT et Climati qui t'a fait que certains citoyens qui fixent position qui dit ça pas utile la république en rien confrontation ça il pas résoudre problème insécurité qui vient plus grave on est dans le pays depuis plus passé 7 mois après PM Ariel Henry fin quitté pays là regarder question confrontation ça qui pas passé j'ai de l'eau qui a coulé dans le monde pour son dans le département de la Tibonite qui victime des massacres bandits bas gang griffio des jours cap grand plus terrain cap grand plus confiance pour kounia malgré déploiement la police depuis 4 octobre 2024 dans niveau département de la Tibonite avec diverses unités spécialisées diverses unités de combat avec MS-500 officiers kenyans et bien bandits bas gang griffio c'est eux-mêmes cap vin agacer la police depuis plusieurs jours dans niveau Kafoupey dans tirer coup de balle sous blindé pour la police parce que la police pour jamais décider mener opération grande envergure dans ensemble espace ça yo la situation des amis internautes objet kidnapping dans niveau département de la Tibonite malgré déploiement et bien on nous dit que kidnapping yo et y a augmenté presque chaque jour gagne des professeurs des responsables éducation dans ville Saint-Marc qui rivé kidnapper et bien parmi eux c'est Paul Alex qui rivé kidnapper avec Montas Sius qui kidnappé en pile mon président que ça gagne l'autre monde qui kidnappé à travers yon camionnette transport public que bandi bas gang kidnappé même zan kokorat sans race kidnappé des pasteurs qui t'a sorti de dine pour te rentrer dans ville Gonaïve malgré présence la police t'attendé mardi 8 octobre qui se passé à la police s'est tenté mener opération mais pour population fait quoi c'est ta opération bat paille parce que pas rien gros résultat pas moins que yo machine qui dit détruit avec barrière rentrer kaibendi qui détruit yo dit gagne divers bandi qui sorti blessé c'est que nous même nous pas ka vérifier. Et situation la vie plus difficile pour population la situation parce que par la vie très 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 difficile et même menaçant pour population qui vit dans niveau département la Tibonite et Akaye eh bien bandit canarin Jeff Gaulois à travers un voice qu'il gagne il fait quoi c'est ensemble monde qui t'a metté barricade c'est monde ça qu'il t'a cherché pendant gagne deux monde dans population civile qui blessé gagne des policiers municipaux et qui blessé tout et de l'autre monde dans population civile disons c'est mouri qui est mouri dans quatre attaques là et la police fait quoi qui prend contrôle situation là la police parle il permet que citoyens pratiquement poser question est-ce que vraiment ça la police dit ya, c'est lui même qui vérité parce que dans quatre département de la Tibonite en pile monde vraiment douté blessé personne face avec ça que porte-parole la police en dit que la police quasiment sous contrôle de la police, mais malheureusement, vous avez des cas de kidnapping qui ont fait dans l'axe routier, ce n'est pas même en dedans, et dans dedans, autant que dans la Tibonite, ou à l'information qui dit que bandits ont continué à faire scène de pillage sous bien population en dedans la caillou. Ça veut dire que la police faut vraiment prendre contrôle de la situation au niveau de la Tibonite. Mais ça n'a pas empêché de quelques graines qui sont importantes pour gagner que la police prend. Léo prend des nègres, soit comme chauffeur. Si vous avez regardé Edson Arisma, sauf un deuxième chef gang Koko Atsarasa, c'est de bon gang qui a permis que la police y fait quelque chose. Et information ta fait, ouais que la police a arrêté un autre membre gang Koko Atsarasa pendant une heure dans zone passerelle et sous Gonaïve que monsieur Koko Atsarasa a mal installé monsieur comme chef gang dans zone si la blessé personne. Ça veut dire la police dans niveau département la Tibonite qui est contenté n'a pas de graines sous côté au lieu que vous faites pénétration ou vous prenez deux vrais gangs qui ont des armes dans les mains qui a terrorisé la population presque chaque jour qui apprend que d'autres yo pas suspendre blai dans mitan population civile qui dans niveau département de la sécurité surtout dans Valia et faut que nous dit des moun yo qui dans Valia qui annoncé un mouvement mobilisation et pour lundi qui a venu là pour exiger la police à mener opération dans fief gang yo pour chercher résoudre problème insécurité qui gagne dans niveau département de la sécurité parce que moun yo fait quoi que pas capable encore divers déplacer et qui quitter pour sonder à cause massacre là dans ville Saint-Marc et dans l'école Antoinette de Saline il y a connu des situations difficiles parce que mettre l'école là mandé pour quitter l'espace cependant songez que premier ministre docteur Gariconi s'est déplacé venir dans département la Tibonite dans l'idée pour te dire qu'elle devine assister il devine garder monde qui dans courir et monde qui victime yo et bien je dis à monde se retrouver dans situation difficile il y a mandé côté gouvernement dans ça qui vient pour avec question subvention pour réouverture des classes de cette personne ça pratiquement porter un paquet de doutes. On sait qu'il y a des gens qui, jusqu'à présent, qui sont dans l'école nationale, il y a des gens qui sont dans le camp réfugié, ou jusqu'à présent, il y a beaucoup de dire rien, il y a beaucoup de jeunes, 20, 50 000 gouttes qui ont été dit, ils ont tapé pour être préparés à rentrer à l'école là. Et l'école là est rentrée déjà avec cette personne. Nous comprenons dans quelle situation, et dans la capitale pays, dans le département de la Tibonite, il y a divers établissements scolaires qui passent sous contrôle directeur, qui passent sous contrôle personnel. C'est dans les gangs que l'espace qui fait battre là-dedans. Nous pouvons comprendre dans quel niveau, quelle situation paraît extrêmement difficile dans tout le pays à ce tout point. Mais si nous avons gardé question corruption, elle est légale dans le pays. Il y a trois corrupteurs dans le Conseil présidentiel de transition qui a annoncé qui votait un président à travers une résolution qui reprend.
en battable, et bien, il dit que corruption illégale en d'un pays. Et le clair que trois messieurs d'accord que vous faites corruption, parce que c'était eux-mêmes qui t'a rejoint et soit enquêté ILCCO pour détendre eux, et qu'on y a enquêté ILCCO et rendre verdict, yo pas d'accord avec verdict et enquêté ILCCO. La vie, c'est des nègres qui viennent, qui arrangent, ils ont siégé comme juge et parti, ils n'ont pas d'accord, pièce rapport, ils n'ont pas d'accord, pièce décision qui auront à l'encontre d'eux. Est-ce que ça n'a pas entravé toute décision qu'a pris en dedans pays et les compatriotes n'ont qu'à courir? Il y a déporté, pas bonne, pas paquet pour ceci en République Dominicaine. C'est une menace extraordinaire qui sa autorité haïtienne a dit sous question jusqu'à présent, ou bien pièce décision drastique qui prend. Mais si vous regardez Mexique, Mexique a agi contre les Dominicains qui a rentré illégal dans le pays Mexique de la situation. Et dans même dossier, ça, je dis à des dossiers de déportation haïtienne dans le pays ces domaines, eh bien, il y a un conseil présidentiel à travers le président conseil actuel qui c'est M. Leslie Voltaire. Eh bien, M. Clément l'a parlé et a condamné et face au comportement de Luis Abinadel, dans chaque l'a déporté combat contre haïtien yo. Et selon ça qui dit bon côté Leslie Voltaire, il fait connaître que son violation de droit à monde que Luis Abinadel a fait dans chaque l'a déporté haïtien yo. Et nous on est clairement que t'es déjà le gouvernement colonial qui t'est condamné à action ça à travers le ministre des Affaires étrangères haïtien, Madame Dominique Dupuis. Eh bien, situation ça y est, encore les plumes sous de divers compatriotes haïtiens et qui en Haïti mais qui à l'étranger et de autorités haïtiennes qui ont même compte dans la façon que l'État dominicain a déporté haïtien par pile à paquet et ces domaines est dans de mauvaises conditions. Et dans ça, ça désire, eh bien, en pile haïtien t'es planté piquet sur jeudi et vendredi 11 octobre là, devant consul dominicain dans Pétionville, et pour avoir un message clair par le président dominicain Luis Abinadel, écoutez que Haïtien ça a annoncé pour date cap 17 octobre cap venir là, gros mouvement levé campé en d'un pays pour yo capable exactement et al di avec Luis Abinadel campé avec déportation raciste que l'a fait et contre Haïtien et pour le penser exactement, comprendre que nous c'est deux peuples frères qui sont Ziléens, nous capables de vivre ensemble et puis qu'elle pense que c'est président Ziléen, puis qu'elle pense que le capable faire salver avec Ziléen qui est Haïti avec ce domaine sur lien. En tout cas, désir, bon, c'est que nous pouvons regarder ensemble du point Sayo, pas oublier, bataille entre KPT avec le gouvernement Konilan et et qui côté ça mené et dans intérêt qui est ça privé puisque je dis en pile acteur en pile parti politique en pile regroupement pas bien ouais qui sont capité ensemble avec et gouvernement parce que je dis que ni capité ni gouvernement yo yon pa travail dans intérêt haïtien t'entends bien ni capité et ni gouvernement c'est en pile monde dit que pa travail dans intérêt haïtien. Et pendant même journée que samedi 12 octobre 2024 dans des Ivenes, nous apprenons que tu as gagné un pile coup de balle automatique qui t'a chanté dans zone Vivi Michel, dans la commune Pétionville et zone Bellevue Torcel. Ça veut dire que bandit basse crasse barrière que vite l'homme innocent dirigé, nèg yo t'a créé gros voix panique dans zone et Torcel. Hein? L'équipement de Michel là. Bon, oui, exactement. Quand même, je t'ai dit, Gapel a quitté et mettez le bas et affaire là. Et pas oublier tout. Oui. Exactement, tout bas et salle clé. Et pas nous t'ai dit. Et pas nous qui inventé et nous connaissons déjà. Et en plus, tu désires. Bon, regarde déjà, évitez un problème dans la zone là. Bon, pour que ça ne va pas profiter à loin. Tout pour l'ambassade américaine. Oui, parce que l'auditeur c'est. Il y a des millions de dollars. Oui, l'auditeur c'est le Penny Vivi Michel. Et tout l'ambassade américaine, tabac, oui. L'âme, c'est que, et vite l'homme, puisque autorité américaine, yo, yo te dit, je mettais 2 millions de dollars de elle, mais yo pense, monsieur, dans le cachet, monsieur, fait cette que là. Mais, kounya, police haïtien pas besoin de 2 millions de dollars, parce que tout le académie police, nous croyons gagner des corps spécialisés qui tout le académie, est-ce que vous pas besoin de l'argent, ça, au moins, vous avouez, on filet, vous avouez un coup de nas, pour vous inviter l'homme, vous avez fait l'argent. Côté ça, bon, bah, qu'on est sûr capable, mais ça m'a dit les. Bon, exactement. Parce que c'est pas direction générale qui a bailé l'ordre. C'est pas CSPN qui a bailé l'ordre. C'est pas DCP qui a bailé l'ordre. Non. C'est ambassadeur qui a bailé l'ordre. Ambassadeur qui a bailé l'ordre. Mais pendant qu'il y a beaucoup de l'ordre, mais non, ça, ça a vite tout le monde en ville. Bon. Pendant qu'il y a beaucoup de l'ordre, que Bas Krasé a créé problème là tout. Blaise. Yeah. Vite l'homme a tout le monde qui semble avec elle. Tête graine et tinec nous même avec elle. Mais quand tu as mis là, tu n'es qui chargé l'argent, tu n'es qui riche dans le pays, tu n'es pas passé dans le fléau d'insécurité programmée qui est là. Insécurité à l'éprogrammée, Blaise. Nous croyons que nous devons comprendre. On essaie de regarder ce qui est passé dans la Tibonite, et puis on a tout compris que l'insécurité qui est dans le pays est pratiquement programmée. Extrêmement programmée ce qui est passé. Nous devons assumer la responsabilité. Et ça fait que nous devons demander avec les citoyens.
c'est seul citoyen qui a pu changer de l'année. Si après tant que c'est l'État qui fait bagaille. Une garantie sur la situation, on pile en noir. Si nous continuons à mettre espoir sur la police, si nous continuons à mettre espoir sur la mer, moi t'attendais Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui passait 14 années dans la police. Monsieur a dit que chaque 10 policiers gagnent 8 qui dans gang. Est-ce que je peux démentir, monsieur, sur ça? Je ne sais pas quoi je peux démentir. Il était dans la police, il y a une gang. C'est qu'on est à quantité de policiers qui ont une relation. Si on ne donne pas bail, de yon pas plan. Et divers policiers, dans tout dernier moment, qui entendent, ils ont arrêté. Soit qui après l'acheter munitions pour bandit. Ou bien, les personnes qui ont touillé dans l'opération. Ou peut-être aussi envahi l'hôtel là, policiers qui ont été arrêtés, ou gens qui ont été arrêtés. Peut-être c'est deux, ils ont été gros bois derrière. Ou par contre, qui est ce policier, ça, ouais. Ça veut dire, ce sont des institutions qui fragilisent. C'est une révolte. Yon révolte à la citoyenneté qui ka permettre que nous sortir là. Après ça, c'est un problème nous là pour longtemps. N'a pas goumé en pile pour nous sortir là-dedans. Et l'éclair des yeux. Problème nous là pour longtemps. N'a pas goumé pour nous sortir là-dedans. Et comment qu'on va sortir là-dedans? Et qui j'en qu'on doit sortir là-dedans? C'est des questions que des yeux moi-même nous même à poser. Même bon, c'est que des bégués volontaires. L'a capable de résoudre parce que je dis, hein. Volonté à permettre qu'il ne faut pas qu'il y ait un pays. Hein. Mais je dis, hein, qu'a dit clairement des yeux. Et jusqu'à présent, je n'ai pas de réalité, hein? Je n'ai pas de situation. Hein? Est-ce que l'autorité qui l'a eu, monde qui l'a eu, yo vle vraiment résoudre problème ça? Ou dis-moi est-ce que qui côté au campé et qui ça voulait faire exactement avec un simple problème que peuple connaît là? Moi-même m'a dit que jusqu'à présent, moi monsieur c'est goumé goumé pour pouvoir, nèg goumé pour poste, nèg goumé pour l'argent, alors que autant de que gè 5 millions de gouttes qui débloquent chaque mois pour que ce service intelligence et regardez que pour qui ça que ben, l'agent s'entendait hein? Chaque 5 millions de gouttes, non? Chaque 5 millions de gouttes, chaque conseiller. Chaque conseiller. Et puis premier ministre, oui. Exactement. Chaque conseiller, il y a 5 millions de gouttes, mettez avec PM Gary Kouni, mettez avec. 10 fois 5 millions. Yeah. 10 fois 5 millions. Alors, ce qu'on dit que il y a cette question, et bandit a tué Jean-Vlé, bandit a posé action Jean-Vlé, on a demandé à tout, est-ce que à qui ça l'agent s'est servi? Bien que, ensemble contre corruption, ECC, qui c'est une entité qui a les diverses personnalités, tant que Edouard Poultre, l'a demandé avec ULCC pour qu'elle soit capable de mener enquête sous question et 5 millions de gouttes qu'il y a par chaque conseiller, et bien pour que ce service intelligence non. L'a demandé pour mener enquête sous l'agence pour qu'on ait qui ça l'agence a servi. Et qui ça l'a juste à régler? Parce que c'est pas normal, c'est inacceptable pour que chaque conseiller et chaque mounsayo a recevoir quantité l'argent ça et on l'argent qui est pas exactement ça cap régler avec lui. On l'argent yo pas ouais qui ça cap régler avec lui. Que donc je dis, hein, les pour garder et comprendre que et son l'argent comme s'il y avait un trou son l'argent il a gaspillé pendant ces temps situation insécurité à lui-même l'a augmenté jusqu'à présent Matisse bloqué Canaran bloqué Abamon Kabil bloqué et un ensemble de zones moun pas capable de circuler des Ivenes et ils ont débarqué avec toute équipe bandi pareli UVD j'allais les bagaliens et les débarqué dans Tibois et en activité sans problème. Nèk yo pa pè, nèk yo pa krin. La mosan jou débaqué, la lan fèt et apran micro. Barbecue a fait TikTok chaque soir. Si la fait TikTok chaque soir, Bourba fait TikTok chaque soir. Monsieur mon frère. Qui est ça parlé? Pas TikTok et Barbecue li pa là encore. Ah et oui, ça passe. TikTok bloqué. TikTok bloqué. Et oui? Yo bani? Ah bon, non même me dépasser à ça. Me dépasser à ça. Et tout l'autre bandit qui a fait bah TikTok, tu as fait même bagarre là. A me dépenser à ça. Et oui, il bloque pas monsieur. Oui, il bloque pas ça, pas existe encore, il bloque. Mais parce qu'il t'a fait l'autre, mais parce qu'il t'a gagné plus le monde, qui t'a qu'on a absolument à lui parler encore. Mais pas qu'on est sous image ça. Qui m'a fait? Un petit monde 14 là. Oh yeah. Madame aussi. Qui n'a base la mensonge me gosse madame. Mais qui sa communauté internationale là dit dans question ça? Comment ça va passer dans le pays d'Haïti? Là, ça t'a passé à grave, oui. En pile, en pile. Ça, c'est un échantillon. Par contre, combien? Qui quantité de timoun qui pratiquement plongé dans la pratique ça? Et jusqu'à présent, gain qui a perdu toujours. Blaise, dans la vaste déportation qu'a faite là, vous sortez en République Dominicaine pour venir en Haïti. Nous prenons une situation beaucoup plus difficile. Gang, yop, gal, augmenter l'effectif.
parce que vous avez des jeunes garçons qui n'ont pas rien pour faire. Et vous parlez qui ça que l'État a arrangé pour le faire, pour le préparer pour ça qui va venir. Parce que nous parlons de l'État de prévention. Nous avons l'État qui a quitté la situation empirée pour y aller, puis nous avons si vous déconnez. C'est ça que nous-mêmes, comme leaders d'opinion, nous-mêmes, comme avant-gardistes, nous voulons essayer de regarder la question. Pour nous dire l'État, mais qui ça qui va venir. Mais ça qui a fait un danger, quel côté sur la République. Et jeune petit monde, 14 ans, ça, où elle sont-ils fiers? Dans le département de la Tiponique, qui a arrêté jeune garçon qui relève et Edson Arisma, qui est 18 ans seulement. Ça veut dire son phénomène, jeune garçon, jeune femme, en pile voix que nous dit, jeune, c'est l'espoir pays, hein? Parce que nous-mêmes, nous pouvons aller, nous avons besoin de ça, plus petit, qui pour venir remplacer. Pas d'espoir, quoi, Blaise? Majorité, ça n'a pas considéré comme l'espoir, lui a plongé dans des agréments. C'est des gens qui tout détruit tête, à toute famille. Et vous ne pouvez pas faire ni bon côté l'État haïtien, ni bon côté communauté internationale là, qui dit qu'il y a un droit à l'enfance, qu'il y a un droit pour protéger tout le monde. Il n'y a pas dit rien dans la question ça. Vous pouvez dire que ça a fait hein, pour remédier avec la situation, Blaise. Et Désir, je ne dis pas qu'on aimerait venir avec quelques réactions, bien que qu'il y ait avec sa capacité dans le pays, question KPT, question conseil, question Saint-Domingue et l'autre situation insécurité. On va venir avec ça là pour me permettre de nous capable d'entendre exactement. Et ça qui dit à côté ensemble de autorité, soit que soit El Jassin, soit que Valère Beauplan, et soit que de l'autre monde encore qui parle par rapport avec situation que pays a prôné là, c'est ensemble des siens. Nous va venir avec ça pour me permettre que nous sommes capables de comprendre très bien et garder très bien sa capacité dans le pays. Parce que bagala vraiment vraiment compliqué des Ivenes. Et nous allons regarder ça ensemble pour nous voir. Est-ce que la situation pays à lui-même, est-ce que la prêté là, ou dis-moi, est-ce que qui ça a fait pour aider à résoudre le problème ça? Parce que le problème est en pile, vraiment est en pile désir. Et selon ça qui dit bon côté, et bon côté, je suis capable de dire là, désir, bon côté Sinapoa, qui c'est un syndicat en dans la police, non? Le fait qu'on est que sorti mois novembre, sorti janvier 2024 pour arriver et octobre n'a pas l'air là. Le fait qu'on est que des Ivenes gagnent exactement et 26 policiers qui déjà perdu la vie. Sorti janvier pour arriver mois octobre, ça n'a pas l'air jusqu'à présent pour quand même finir. Hein? Fait qu'on est que 26 policiers qui mouri dans exercice fonction yo en babal bandi armé. Ça veut dire que la police dans jodi an li c'est véritable cible bandi armé yo. Fann kon sa yi? La police dans jodi a désir li c'est véritable cible bandi armé yo. Alors que autorité yo a clé on est même à travers peuple la police tan, monsieur clé on est que sont la police cap travail, cap ben résultat et exactement, vous comprenez? Ça là des Ivenes. Les moutes à clair que autorité yo nan pire au niveau dans l'état et même en da, même propre tête pa yo yo pa ka bay sécurité même propre tête pa yo oui yo pa ka bay sécurité qui dira pour la société civile des Ivenes. On vient avec un sénateur Soel Jacinthe, lui même qui c'est un membre à quoi 21 décembre monsieur qui gonjaloué et KPT1 gonjaloué trois conseils qui impliqué dans scandale corruption an, et gonjato li ouais réalité pays a passé journée jeudi an, surtout dans question insécurité an. Et pendant là nous avons plaisir pour nous parler pendant dire ça s'est passé en dans CPTA. Je pense que c'est son contrariété lié même au processus à Côte-d'Ivoire. Je pense que là, nous tous, on a posé peut-être nos questions. Est-ce que ULCC doit exister toujours? Est-ce que c'est pas l'État, et à la tête de l'État, où gagne M. Edgar, qui te gagne M. Edgar, là, comme première personnalité, et maintenant, on gagne Voltaire. Nous songer exactement la représentation Edgar dans CARICOM, ça le dit. Il dit que, il connaît ça qui passe, il comprend le problème, non, mais l'abtan est accord, là. L'abtan rapport, là. Et automatiquement, il est épinglé, donc il prend les décisions qu'il faut. Maintenant, Voltaire, maintenant qui remplace Edgar, la Gazette, il n'y a pas de semaine, l'a dit en clair, depuis Gagnon, il y a un CPO qui est épinglé, ou bien les trois épinglés, à partir de rapport, donc M. Sahu a pété au à l'écart.
Donc, ça qu'a passé là, Jodia, n'a posé tête nos questions. Est-ce que son combine, est-ce que son deal, est-ce que son compromission, ou est-ce que maintenant, consensus 11 septembre, 11 mars là, c'est propriété privée, ces trois conseillers. Donc, ces questions, ça, nous-mêmes, dans le 21 décembre, n'a posé tête, non, parce que déjà, nous disons clairement que, docteur Gilles, qui était que nous dévoyait, nous pas de aucune communication avec depuis grivé, et nous déclarer clairement à l'unanimité, nous tout ensemble, au consensus qui joigne, que monsieur pas représenté d'accord, donc le rivé là pour nous remplacer. Donc c'est le processus ça, il y a le processus de remplacement. Mais nous vraiment étonnés de ça qui passé, la résolution qui se dit. Maintenant, sénateur Vincent, là, ce ne sont pas que les... Là, on ne peut pas parler de toi seulement, là. Et CPTA, j'aimerais aller là, il affiche une unité complète, là. Et après résolution, ça, sous comment président, c'est tournant là, à orchestrer. Bon, je crois que le système américain, une question de collaboration, automatiquement collaborer. Donc, si vous êtes à bord 10 ans, il y a 5 ans ou 8 ans. Est-ce que c'est dans le système ça, non? Donc, monsieur, il y a d'accord que, il y a même un qui c'est responsable. Si monsieur, écoutez, nous acceptons que nous entendons. Mais, mettez-nous là, donc, pas fait gouneg, donc, quittez-nous régler. Ça, nous obligés de régler. Est-ce que c'est le système, ça? Oui, moi-même, c'est question ça va poser, parce que là, ces quatre, ou bien ces huit, ils prennent l'État en propriété privée, donc ils permettent, ils font quel que soit deal que vous voulez, et ils disent, monsieur, ça, ils font quoi douce, donc moi, quitte là. Mais ça, pour tout d'accord, nous comprendre, c'est que ils reconnaissent ces droits. Ils reconnaissent que yo a tort, donc yo pas capable vine président coordonnateur encore, donc et après été là seulement pour yo joindre tout avantage yo en combinaison avec les trois autres. Donc là m'pensais que son question pour nous toute la presse là, surtout pour le poser, ça qu'a passé là, est-ce que nous l'a consensus 11 mars là toujours. Donc m'pensais ces questions ça pour nous poser. Donc, pour nous, qui côté n'a pas une réponse à, mais ça qui passe là, nous dit, nous répète, son bagage que personne n'a pas accepté, là, baron ainsi international la donne, baron ainsi, deal ça à peu près ici, hein, l'y accepte, mais ça qui passe là, c'est pas l'esprit, Maintenant, ça dit vous, pour cette transition, élection, nomination, et le directeur général, consul, etc. Ça dit vous, pour reste là, pour le reste, pour la suite. Bon, pour la suite, nous croyons clairement que le peuple haïtien, Moïse, il n'y a pas qu'à représenter nous encore. Est-ce que c'est un deal qui fait pour éjecter, pour y faire question par étape? Donc, comme moi, pas de majorité, me servi avec eux pour yo bam tout avantage là, automatiquement, fin mette, m'bral éjecter eux, donc m'bral retirer eux. Donc, si c'est ça, faut yo dire nous clair, pour nous-mêmes, en tant que secteur, pour nous réapproprier, CPTA, pour nous faire correction qu'il faut, pour nous réchita. Parce que là, m'pas croit que, personne qui a accepté, ou quel que soit pays, malgré me senti qu'on consentement, qu'on deal qui fait avec international, là, personne qui a pas accepté que M. Sayo ait une autorité pour y retirer directeur général, pour y retirer, pour y envoyer, pour y choisir consul, pour y choisir ambassadeur à représenter nous. Parce que deal ça, m'pas quoi que population après pour l'accepter, deal ça. Maintenant, membre vote en CPTA qui pas indexé dans na qui va épinglé par ULCC, gen moun ki di wak simple an seta yo pou résolution entre yo acte difficulté que pè yo gen et mandé secteur pour désir le nouveau représentant.
Et c'est un bagage qui paraît plus simple. Et, mais quand on dit l'argent destiné à là, c'est comme si on me dit, bon, ou à quitter le résidence là, c'est moi qui apprenne. Bon deal qui arrive là et dit la fête au mépris de la loi, de la de l'éthique républicaine, et le mettait à mal suite transition. Quand on dit qu'il y a tout ça, vous partagez ou vous ne pas partagez, c'est la présence? Absolument, moi, pas partagez. Moi-même, moi, j'ai dit déjà dans l'émission que j'ai fait avec l'autre radio, première étape là, c'est d'accord que M. Sayo n'est pas réuni. Il n'est pas capable de faire partie CPTA. Donc, parce que Edgar et Voltaire, qui est actuel président, l'étaient dit clairement. Donc, c'est son crime déjà. Son crime déjà, parce qu'au grand institution, tirer les ULCC, c'est où là pour respecter, pour faire respecter, donc ou pas respecter. Deuxième étape là, ils ont réuni entre eux, qui est capable qu'il y en attendant que ils ont remplacé. Secteur remplacé, chita avec secteur pour nous connaître ça a fait, et puis là, au fin fait remplacement normalement, est-ce que remplacement a fait ou bien pas fait, les quatre tachita ensemble pour déterminer qui ça n'a fait et qui ça n'a pas fait. Mais ça fait là, donc personne, et nous-mêmes le 21 décembre, nous pas accepté, tout autant que les trois qui reconnaissent que yo en tort, qui reconnaît que crime ça yo là-dedans, corruption ça yo là-dedans, parce que le fait seulement yo dit yo pas capable président, son reconnaissance tacite. Son reconnaissance tacite. Donc, en sens ça, je crois que trois membres yo doivent ressaisir pour yo faire appel à secteur pour ensemble nous connaître consensus que ça a noté fait entre nous avec tous les secteurs de la vie nationale. Pour s'il y a correction pour nous faire, ça que nous faisons pour nous faire, mais faut nous faire ensemble. Mais ça que là, bah quoi que aucun secteur, la presse en général, bah quoi les partis politiques, les neuf secteurs, bah ouais, comment ils a pas accepté ça? Bien que nous tous au courant que Monsieur Sayo ou Finvoyo, donc il prend République là, il prend l'État comme affaire personnelle, il n'a pas rien pour accepter encore. Maintenant, au moins, il s'est toujours été théorique, il a dit, son solidarité qui a laissé le monde comprendre que, il est obligé de solidaire parce que si toi, ça y est allé, tu as qu'à gagner des raisons pour y aller tout, et comme renseignement, etc. Il n'y a pas de théorie. Il est plausible ou pas, ce mot? Donc, on voulait faire me comprendre que monsieur, alors, les trois, c'était juste des agents, qui tape faire un massage pour eux toutes, c'est ça, on l'a dit là. Donc, si vous. Non, gagnez mon qui dit que. Ou bien trois aller, ou bien le dénoncer, donc, ils sont obligés de solidarité. Gagnez mon qui dit lecture ça, par contre, si c'est vrai ou pas. Bon, l'essentiel, il paraît, même penser que gagnez mon qui est encore lucide, penser Edgar, bien que décision pour le déprendre, ou le pas prendre, il aime tant des messages à la nation, là, c'est pas ça, on ne peut pas l'attendre. Cependant, nous-mêmes, haïtiens, nous-mêmes, le 21 décembre, nous ne pouvons pas accepter de dire ça, nous ne pouvons pas accepter et combiner ça. Ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas, franchement, nous ne pouvons pas accepter. Donc, nous-mêmes, le 21 décembre, nous étions toujours attachés à l'esprit du consensus du 11 mars. Cependant, on campait qui pour fête et puis les secteurs ensemble pour nous corriger ça que nous devons corriger. Dernière question, est-ce que ça a privé là, l'imposition passée en force et au mépris de où sont évoqués là, où dit faut que tu as fait un ULCC, si c'est pas avancé, j'ai pas avancé là. Est-ce que pour vous, il y a une hypothèque, une mise à mal, un risque que transition échoue par rapport à premier fait, nous commençons là, non publication de accord 3 avril là, et j'ai géré et scandale et BNCA, parce que nous arrivons dans la phase d'élection, l'argent, passion, etc. Il y a des préoccupations quant au déraillement de la transition. Vous partagez préoccupations, ça ou pas? Il n'est pas trop tard, mais il est temps. Il est temps. Pour nous faire camper et ensemble pour nous connaître ça nous doit faire parce que tout autant que pas de sécurité tout autant que et institution ça qui fait la présidence dit pas pour le dire écoutez pour le retourner l'accord 3 avril là la difficile pour y être là parce que y être là pour faire qui ça y était météo 1 sécurité 2
passer mais la institution yo garder exactement qui ça nous fait et oui, pardon une minute dépasser 9h. Imaginons que nous parlons de CARICOM pour nous parler faire discussion politique parce que nous gain scandale corruption ça c'est comme ça nous dire le mettre en crise politique dans le pays. Ou imaginons ça veut dire pour image pays et pour politique nous même nous sommes les propres acteurs de nos souffrances. Nous avons le les CARICOM mais quand même c'est nous-mêmes qui me songer et gagner chanter la rose te dit me penser que c'est la chanter ça que nous y est c'est la chanter ça que nous y est nous c'est Dieu nous la rose you chanter pour une nation donc dans ce sens ça il expliqué clairement ça nous y est donc nous c'est propre à cœur souffrance nous qui mettait pays ça en état que l'il y a malgré que dans très loin, 9 secteurs, ou du moins la vie nationale, tout secteur de la vie nationale, là, accepté Chita et les SAN ont tout dit, c'est un accord historique pour ensemble nous arriver là, pour nous voir comment nous sommes capables de retirer le pays à côté de lui là. Donc, moi, dit, monsieur, ça, il faut camper. Moi, dit, international là, tout, quand même, hein, qu'on a certaines moralités pour nous camper. Faut camper. Faut camper, les secteurs, et ensemble pour nous garder, est-ce que nos cas, corriger ça pour corriger, pour nous rester dans l'esprit consensus ça, ou bien pour nous sortir avec un autre bagage. Parce que je ne crois pas que aucun haïtien capable d'accepter, aucun secteur capable d'accepter, est inacceptable ça. Si bah, ça persiste, est-ce que ça mène dans la confrontation politique et d'après vous ou pas? En 10 secondes. Bon, en 10 secondes, donc, parce que faut nous ressaisir. Je ne crois pas que la confrontation politique là, c'est ça lié. Désir, autant de sur les c'est tout frère, je comprends ça parce que moi, j'avais essayé de sécuriser tout à prix. Je me suis dit qu'il est intéressant, mais disons bien. Bon, c'est parce que moi, sur les Jacet, j'avais essayé de regarder la situation indigne que le pays a trouvé et en pile acte, c'est ça qu'il a fait comme jouet biaisé. Ok? Il a toujours arrangé, quel que soit jouet, il a joué, il n'a pas sincère là-dedans. C'est à partir de ça qu'il conduit nous là. On ne comprend pas. 9 secteurs regroupés ensemble sur le plan politique. Ils ont dit que le pays a traversé une crise, il faut que baille en route, mais ils ont dit qu'ils ont des capacités, ils sont capables. Y aller, à partir de aller, c'est rendre que rendre la vie beaucoup plus complexe, rendre beaucoup plus monde, trouver dans une situation difficile par rapport avec le comportement que ont gagné. Et je veux dire, question de corruption, ils viennent montrer par un nègre qui est dans le conseil présidentiel qui est honnête. Parce qu'on est avec Leslie Voltaire, 50 ans depuis après politique. Tout rêve, c'est pour arriver président de la République. À partir du conseil là, le président, et je vous dis, c'est officiel. Depuis là, il s'est déplacé. Il est allé dans les Nations Unies, dans le 79e an. Nous avons eu l'impression, nous avons été préparé, ça va être préparé. Yeah, et nous avons tellement arrangé pour rendre dans la situation difficile, dans la confusion. Nous avons eu après tant ILCC. OK? Depuis ILCC remettre à Paul, et bien c'est tous les trois n'avons pas là. C'était nous qui te dit. C'était le Voltaire qui te dit. Jusqu'à présent, ouais, n'a pas qu'à respecter parole. Et accord politique que n'a pas mis de l'EOA, surtout accord 3 avril 2024, il doit tout dire sur l'équipe coquin avec mesdames qui continue à pager en coquin et mesdames. Dans tout ça, qui position, Moïse Jean-Charles, ou pas attendre de parler de questions ça, parce que c'est des rançonnés, 5 millions qui apprennent chaque mois pour question service d'intelligence, n'a pas préparé, n'a pas fait malette l'argent pour venir dans l'élection, et puis que collègues qui ont fait quand même, parce qu'il y a arrangé, ou y a bâillé en sécurité sous boudrage. Et puis, pour y aller dans l'élection, pour faire des chefs de gang, un sénateur, un député, un président de la République. Même, toujours la même position, ça. Après, chaque fois que m'a avancé, sous ensemble comportement, sous ça, que l'idée des partis politiques ont fait comme conviction, sous comportement, 3 conseillers, ça, et qui dans ce scandale, ou bien 9 membres, t'as pété, hein, m'a dit, c'est peuple-là qui voulait. Parce que c'est un conseil qui était déjà pas populaire, qui était impopulaire, qui n'est pas constitutionnel. L'air venait à l'espace ça, c'est un moment fort qui a permis que la population soit tout révoquée et puis instaurer mon estime qui a porté qui chose et qui a porté changement dans le pays. Mais ce n'est pas ça que ouais, qui a fait pour sentir une résilience. Tant que Jean Edgar Leblanc-Fils te dit sur les Nations Unies, nous sommes peuple qui est résistant et résilient en même temps. C'est à partir de ça que nous arrangeons. Nous qui t'aimons jouer avec nous pendant nous-mêmes, il y a augmenté sa qualité, bien-être, avec les richesses que nous gagnons et construit et capital politique et capital économique et puis il y a des affaires qui sont plus bas.
Et qu'on y a, on venir avec Jean-André Victor Désir, monsieur qui c'est coordonnateur Mopod, et Mopod c'est un escriti en dedans collectif à 30 janvier. Côté au clair m'a mandé avec Toroki et Edgar et pour l'école dans le conseil là. Et il dit tout que ce conseil ça, il n'y a pas vraiment quoi dans lien encore parce que ouais, son conseil cap marcher vers la sanélé échec li parce que ça qui dit bon côté. Agronome Jean-André Victor, qui est un responsable collectif à 30 janvier. On parle avec le collectif à 30 janvier. Dès le départ, dans le dossier scandale corruption et qui impliquait trois conseillers présidentiels, nous avons déjà gagné une position de principe et que nous avons communiqué à la population sur ça. Maintenant, mais qu'on est puisque il y a évolution dans le dossier, il y a des secteurs qui tapent et des marches pour remplacer quelques conseillers présidentiels qui sont impliqués, mais avec modification et résolution sous présidence tournante là, qui vient faire que vous conservez dans ce trois conseillers présidentiels, il y a évolution. Comment au niveau de collectif là, nous comprenons l'évolution ça qui est dans le dossier? Très bien. Première note nous avons fait, justement, c'était une note de faire part pour bailler position. Dernier note qui sortit là, qui fait rappel de ex-sénateur Leblanc, dans CPTA, c'est pas seulement note, c'est également une action politique. Et c'est ça que différence là. Et action politique là, et les fait dans un double objectif. Un premier objectif, j'en saute dit là, étant donné que nous demandons pour mettre monsieur de côté à cause de questions d'instabilité et de scandale politique là, on dit monsieur, on a parlé de conseiller président qui est impliqué dans le scandale BNC. Et Naloué Okusan discuter avec Okusan, nous signons note avec Montana pour ça. Mais Kounia nous fait action politique ça, côté que nous fait rappel de représentants nous en dedans CPTA. Pour quelle raison? Gen moun qui mal interprété by ça, qui comprennent que son problème nous gagne avec sénateur Leblanc. C'est exactement le contraire. Parce que, d'une part, sénateur Leblanc, positionne sous question, il dit le pape participer. Donc, s'il dit le pape participer, de fait, il va participer, ça veut dire que, il n'y a pas gagné en pile solution, c'est ou bien on dans CPTA, ou bien on dehors de CPTA. Donc, là, ça positionne une très délicate. Nous-mêmes, comme entité qui voit dans le CPTA comme représentant, nous comprenons la situation et nous créer un espace institutionnel de manière que l'aile pas participer à lui-même, il a replié dans l'espace institutionnel là pour lui pas censer en rébellion contre CPTA ou bien dehors. Donc, ça fait que c'est une action politique, c'est le premier objectif là. Deuxième objectif là, c'est le fait que Yab dit tout qu'on y a, c'est est-ce que le monsieur collectif, c'est pas CPTA écrasé? Et là encore, c'est l'inverse. L'inverse pour qui raison? Parce que nous estimons que CPTA fait pratiquement un coup d'État. L'NDCPTA n'a parlé des administrations actuelles de conseiller Voltaire. Son coup d'État est offert. Et pour qui ça coup d'État? C'est parce que, d'une part, pas gagné passation de l'ancienne administration Leblanc avec administration Sahara. Deuxièmement, si vous analysez et documents, résolutions que vous publiez dans le moniteur. Monsieur Victor, tu as parlé sur le coup d'État. Bon, nous poser une question pour que nous permettre de restituer et relancer avec l'approche d'affaires. Vous parlez de coup d'État et vous faites, ou citez Leslie Voltaire, fait à Edgar Leblanc fils, mais en principe, hier, agronome André Victor, mandat et M. Leblanc est fini. Oui, très bien.
Mandat est fini. Et normalement, arrivé dans la fin de mandat, il faut une passation qui fait. Maintenant, premier signe coup d'État, passation n'est pas faite. Ça veut dire que le sénateur Leblanc n'est pas même là, dans le processus-là. Donc, bon problème. Et si, comme dans le discours, nous tendez qu'il y a parlé de ce dialogue qu'il y a privilégié, ces discussions, ces conférences, à ce moment-là, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut avoir un dialogue ça dans CPTA pour éviter que qu'on transfère d'une administration à une autre qui fait sans que pas gain aucune passation. Un premier bagage. Un deuxième signe, sous analyse texte là de résolution paraît qui dans moniteur, on prend au compte de plusieurs bagages intéressants. Un premier bagage, c'est le fait que c'est une résolution. Donc, résolution, il est publié dans le moniteur, mais il n'est pas sorti du ciel. Il n'est pas sorti du néant. Ça veut dire que, bon côté, résolution concoctée, préparée, discutée, et il faut qu'on procès verbal qui consacre l'existence résolution. Hein? Et c'est pour ce verbal-là qui peut aller pour publication. Et c'est sous base-là pour publication ta fête. Et là, nous doutons en pile que qu'on procès verbal comme ça parce que sénateur Leblanc dit lui-même, il n'est pas connaît, pas au courant de ce qui passé. Ça avait dit le patte là. Troisième bagaille, une résolution, au monde pas besoin de faire droit. Mais tout le monde connaît une résolution, son règlement que lié. Et ça, dans la hiérarchie des normes en sciences juridiques, règlement est inférieur avec décret, avec loi, avec constitution. Non, mais M. Deblanc, pour une résolution déjà, pour le changer présidence, pour le changer majorité, et pour le mettre présidence, et laisse ça. Pas de procès verbal qui est allé, c'est pas procès verbal qui était publié. C'est même forme ça nous gueule là qui était faite agronome Voltaire, agronome et Victor. Très bien, j'ai deux V, mais c'est pas même. Oui, Victor, le là. Oui, et oui, c'est vrai. Nous pas dit c'est procès verbal là pour publier, non. Nous dit que à qui aller pour publication, faut émaner, faut sortir donc procès verbal. Donc, c'est le cas. Ok. Avec dit qu'il y a une réunion qui était faite. On a dit nous retirer un peu dans le contexte là. Contexte côté que il y a trois conseillers qui épinglés dans le dossier corruption. On a dit son majorité normale qui prend décision ça. 6-7. Dans le cas ça, M. Leblanc n'a pas le choix. Non, là encore, c'est mal posé le problème. C'est pas une question de posez majorité. Bien pour nous. Poser le bien pour vous, sans question de CPT comme institution. CPT a bon nombre de membres là-dedans, et bien nombre de membres réunis. Si vous avez une résolution pour prendre, c'est laisse la majorité à pas le prendre dans une réunion normale. Donc si on est dans une réunion, ça là, vous pouvez me parler, s'il vous plaît. Allez-y, désolé. Ok. Si dans une réunion, ça, et actuel coordonnateur CPT en la personne de M. Leblanc, il n'est pas là, un gros problème. Ou pas qu'à dire que son bail banal lié, c'est une question de majorité qui a décidé. Non. Majorité a décidé en réunion régulière. Maintenant, Agonon Victor, le fond de l'affaire, c'est d'abord la dénonciation de demande de pot de vin pour être dans le BNC. Le fond de l'affaire, c'est. Et M. Leblanc a expliqué dans la décision nationale, ce qu'il était dit dans la réunion CARICOM, qui était faite la Grenade, 47e réunion, que, il y a une enquête qui a été faite par une institution étatique qui est habilitée par la loi pour faire lui, et à partir du moment que la décision est prise, après respecter la décision, il dit que, CPTA fait une mauvaise route, n'a qu'à se faire courir ça, ça a nuit à stabilité et pays qui a mis pays dans gros bouleverse. Le fond de l'affaire, c'est cette affaire de scandale qui n'est pas vidé. Et il y a des gens qui ont l'impression que Jean
et CPT a géré là avec trois conseillers ça yo qui épinglé capitaine de ça et par quelqu'un pour décider sous dossier yo. C'est comme si il y a fou mon bagage dans gorge population sur le fond de l'affaire parce que c'est ça dont il s'agit et renouveler considération était fait avant rapport et ULCC a pour nous d'après. Très bien. Sur le fond de l'affaire et dans notre, nous fait sortir, d'ailleurs, première phrase là, quoi, c'est ça, que collectif là, était attaché avec position de Téguéen, selon laquelle collectif là mandé pour, une réponse politique à un scandale politique. Ok? Nous était attaché à ça. Et, on permet de me faire une petite réserve, entre parenthèses, nous-mêmes, position nous, c'est pas vin défendre sénateur Leblanc comme coordonnateur CPT. Ça, c'est problème sénateur Leblanc. Nous-mêmes, nous gagnons sénateur Leblanc qui représente nous en dans CPT. Son l'autre cas. Et c'est ça qui concerne nous. Donc, sous base là, lorsque nous allons bien avant rencontrer CPTA, accompagné d'une délégation Montana, tout. L'idée, c'était de dire deux choses très simples. Écoutez, monsieur, nous-mêmes qui venons là, nous pas ni tribunal, nous pas autorité judiciaire, donc nous pas en question de qui monde qui innocent, qui monde qui coupable. Nous venons là, c'est simplement venir faire nous remarquer. D'une part, son gros scandale politique qui est internationalisé, et d'autre part, un scandale politique qui demande une réponse politique. Donc, c'est à ce moment-là, quelques jours après, eux-mêmes, ils ont sorti information par eux qui dit que il y a tant, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas donné une réponse tout de suite pour dire mais ça ou quoi le faire. Donc, il y a même monde qui te comprend son dilatoire que lui. Et c'est là, ça, il a dit, il y a tant de résultats et enquête ILCCA avant que vous prononcez. Officiellement, il dit ça. Quand il y a enquête la sortie, et l'enquête la sortie, au lieu de nous faire face à une réaction de CPT par rapport à ça, mais plutôt, ou bien ça passé à côté que une nouvelle administration qui installée avec les trois personnes qui impliquées dans le scandale d'NCA. Kounia, ou qu'a pensé à deux gens. Un premier gens, c'est un deal qui fait côté que conseiller qui patte ancienne rotation qu'on y a eu une occasion pour rentrer dans une nouvelle rotation. Et de l'autre côté, monsieur qui épinglé dans le scandale, qu'on y a, il a cassé faire couvrir ça, côté que, il a continué à fonctionner dans CPTA avec tout privilège que ça a gagné, y compris le droit de vote, y compris possibilité pour influencer toute grosse décision qui concernait l'État haïtien. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque maintenant, on a une situation comme ça, on a deux problèmes qui devant, et c'est ça qui nous-mêmes interpellé, nous. Et c'est pour affaire de sénateur Leblanc. Et, on m'a profité du salam, pas quoi son secret lié. Une parole qui t'a parlé pour sénateur Leblanc, t'es irrité. Nous pas jamais entendu personne dans le collectif là dit ça. Il n'y a pas appuyé ça. Bah quoi nous jamais entendu ça. Donc nous-mêmes nous pas rentré dans la question coup d'état que ce soit du côté du sénateur Leblanc que ce soit du côté de l'autre monde dans CPTA. Ça c'est réserve là. Maintenant les problèmes là présentés aux personnes problème qui de fond c'est le fait que ou à créer dans tête l'État une incertitude d'une part et d'autre part ou à créer une instabilité dans référence pour décision d'État. Ça veut dire job l'État
un homme d'État, c'est faire le maximum pour quimber une stabilité institutionnelle dans la tête de l'État. Ou pas qu'à changer les règles tout le temps, ou pas qu'à violer les règles que vous-même choisi impunément, et ou pas capable de créer une instabilité institutionnelle dans la tête de l'État. Ou pas capable, non? Et l'on fait là, ça finit mal quand même. Donc, c'est un souci, ça, nous-mêmes. Nous faisons ça parce que nous estimons, si le sénateur Leblanc, lui prend disposition pour ne pas participer, il fait la nation qu'on est ni, ça veut dire que c'est collectif là qu'on y a, qui te voyé là, qui est en condition de négocier avec bénéficiaire coup d'État, parce que lui-même n'est pas qu'à négocier avec le qu'on y a. Donc, sur oui, base. Maintenant, qui te pardonne de mettre au bout. Maintenant, il y a monde qui ouais ça qui a passé là tant qu'un coup de force, tant qu'une imposition, tant qu'une mise à mal de l'éthique républicaine, tant qu'une aventure qui grévait d'hypothèque le sérieux et la réussite de la transition. Est-ce qu'on peut partager ou pas lecture ça et à Gonon Victor? Très bien, non seulement m'appuyer lui, mais mal plus loin, c'est ça que je vais parler de coup d'État en termes de communication côté population. On comprend tout de suite, ça veut dire. Leur parler de coup d'État. Et ouais, son coup de force qui pas reposé sous la loi. Pour une loi dit, nous pas dans la Constitution, nous pas dans la loi qu'on y a, c'est très bien. Mais la loi de référence pour nous-mêmes, c'est l'accord du 3 avril. C'est base là ça. Mais qui n'a jamais été publié, déjà que tu es dénoncé dans ton premier coup d'État contre l'accord du 3 avril là. Est-ce que là, déjà, n'a pas publié là, CPTA a déjà brûlé le pont ou les ponts qui t'a permis un contact institutionnel et normal avec les secteurs. Et c'est exactement ça. Ouais bien, et c'est peut-être ça nous-mêmes, nous t'es en contradiction avec sénateur Leblanc en tant que président CPT. Désir, nous avons des gens qui agonisent à des victoires baléant. Monsieur montre clair que question et capeter ça, question conseil ça. Bon, quand Zimda dit mon ça, il va le dire bagarre la clé, mais et pas bagarre que ouais go avenir pour lui. Et ouais go avenir pour lui. C'est depuis le démon depuis le monde qualifié de association malfaiteur qu'on y a les en forme d'association malfaiteur net parce que il pas respecté pièce principe, le même lieu état, il était établi blesse. Exactement. Et l'autre deuxième bagarre désir, peut-être qu'une carte permet qu'une gagne réaction sur ça, c'est question situation haïtienne dans ce domaine-là, gain mettre Arnel Rémy qui lui-même réagit et qui parlait de ça, bon, c'est que nous sommes capables de venir avec lui. Même gens, gain pile l'autre monde qui eux-mêmes cap réagit sur dossier ça. On peut mettre nous sur capable tendre mettre Arnel Rémy pendant quelques minutes et sous question dossier qui est pour avec et déportation compatriote haïtien là qui voisin. 24. Bon, je suis content de vous saluer tout le journaliste qui est là. Et merci d'être fait intervention, d'être nous fait venir dans la conférence. Non? Parce que nous avons trouvé extrêmement important pour fixer position comme avocat par rapport à ce qui a passé dans le pays. Et notamment, question de déportation massive que la République dominicaine a fait ces derniers temps. Il y a plein de monde qui offusqué. Moi-même, tout m'offusqué par rapport à traitement que mes compatriotes haïtiens. Moi-même, tout m'est fâché par rapport à gens qui a humilié haïtiens. Moi-même, tout, moi pas content parce que déshumanisé nous comme haïtiens. Et ceci, image, ça va faire le tour du monde. Et dit, non, moi pas la voir là, quel que soit haïtien qui voyage à l'étranger, il a toujours gardé les yeux de discrédit. Parce qu'il y a un gâteau, est-ce que c'est haïtien, est-ce que c'est pareil pour Dominicaine qui a fait ça folle là. De deux, moi je dis que la République Dominicaine a violé le protocole qui était signé entre l'Union et Haïti sous question de déportation en 1999, décembre 1999. Parce que oui, ou bien pouvoir vous déporter, ou son souverain, ou son état souverain, ou grand monde là. Mais cependant, la convention internationale qu'on a ratifiée, qu'on a signée avec la République dominicaine, il a dit, mais comment vous déporter mon dans sa dignité, dans le respect de sa personne humaine. Donc, Jean-Louis, la République dominicaine a fait là. Donc,
ça va aucun rapport à respect convention, à respect protocole. Et comme défenseur de l'amour, nous-mêmes nous dénonçons ça dans le niveau 4. Nous dénonçons ça et nous disons qu'il n'est pas possible pour la République dominicaine à traiter haïtien dans le point ça. Son comportement raciste et son comportement xénophobe. Et Kounia, l'un fin fait toute considération ça. Bon, question pas pour poser tête nous. Qui ça nous fait comme haïtien et qui ça nous fait pour éviter que haïtien a pour humiliation ça la caille et dominicain. Tout autant que nous pas mettre en question problème ça pour nous recommander apporter solution, moi ba nous garantir que c'est Kounia tout pas le fait, c'est Kounia mon pas faire cellule, mon pas créer cellule, mon pas faire réunion. Moi clair là-dessus. Pour éviter ces déportations massives, racistes et inhumaines, premier ça pour nous faire c'est la caille nous pour changer. Comment cacher la caille nous, c'est à partir de choix politique qu'on a fait. Moi adresser ma population là. Qui choix politique qu'on a fait pour éviter que dans 5 10 ans pour pas petit tu a milieu comme ça battre comme ça. C'est important hein. Si nous avons une stabilité politique la caille nous. Compatriotes de pas jambe qui des pays pour aller pour humiliation à couper quand à le faire, à travailler sur chantier, à botter ciment. République dominicaine, côté qui a couru derrière, m'a regardé des gens qui sont tombés, m'a regardé des gens qui ont fait accident, maman petite, yo n'ont pas besoin qu'on ait, yo séparé, yo ont raché de famille. Tout ça dérange nous. Mais quand y a là, si tu as une sécurité, si tu as l'hôpital, si tu as manger, si tu as un travail, et dit population, pas d'intérêt intérêt à migrer République dominicaine. Donc quand y a nous-mêmes qui savons faire, choix politique que nous allons faire, ce n'est pas des gens qui parlent en pile. Monde qui pas une vision, monde qui pas un projet de développement, c'est pas où pour voter. Faut voter de monde qui a des programmes politiques qui intéressant qui a permettre que honneur, dignité, respect de toujours préserver ça. Mais ça fait moi-même, si on va venir une solution pour dire écoutez, mais ça n'a fait pour éviter que si tu as 10 000 monde progressivement peu de monde par la République dominicaine qui sont invités ou met sécurité. Regardez, pour bah, la pi mal toujours, mais gang babé ya. Or, kaye, ponson di, tout moun victime. Eh bien, le moun nan wè sa, l'abdomi sous tente, l'abdomi batante, l'abdomi sous place publique, et yon yon pas jamb fait. Le wè la kaye li pas jamb ka stable, eh bien, l'oblige, fon jan, pou al chercher la vie meilleure. Eh bien, c'est nan chercher la vie meilleure qui fait que nan pren milliard tout sa yo. Nous même comme avocat nous dénoncer, et de trois, nous dit, côté diplomatie dans ça côté ambassadeur qui représente Haïti République dominicaine qui positionne possible le ça grand analyse tout à fait nous dit mais ça qu'arrive que visant ambassadeur République dominicaine fini c'est dit s'il fini lui même il pas qu'à dénoncer ça dit il vient même statut avec que mon y a prendre mettre dans mouda camion yo tout ça sont ensemble de problèmes c'est dit nous un ensemble de dirigeants qui pas fait pas prendre des décisions politiques correctes qui juste qui fait que jour dire ça n'a payé. C'est-à-dire, si nous avons un ensemble de monde qui t'a réfléchi pour nous, nous ne pouvons pas nous vivre là. Si nous avons une stabilité, nous ne pouvons pas nous vivre. Si nous avons l'hôpital, si nous avons un travail, si nous avons une sécurité, au moins, parce que le débat, si un travail, il faut un milieu bien, si nous avons l'école, il ne peut pas nous charger. Ce qui fait que je dis, là, prend un traitement inhumain, déshumanisant ça. Donc, c'est extrêmement important pour nous comprendre que la population a souffert. Population en bruit, monde victime et Dominique a fait capital politique, Abinader a fait capital politique. Donc je dis là, pas une autre et solution, c'est bataille pour nous comment na mettre la paix en dans pays. Bataille pour nous comment na permettre petit monde à l'école. Bataille pour nous nèg qui compte travail la bal travail. Bay chaque haïtien travail ou bien permettre que la travail. Ou après, il y a moins de monde qui a envie de migrer vers la République dominicaine. Donc, nous dénonçons ces violations du protocole qui est signé entre Haïti et la République dominicaine concernant les déportations. Nous dénonçons ces mauvais traitements. Nous pensons que l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA faut prendre responsabilité. Nous dénonçons les gens qui ont traité Mounio et nous pensons que c'est extrêmement important pour ça changer parce que nous vivons dans une époque où les droits humains sont respectés. Donc je dis là, ça qu'a fait là. Il n'y a pas aucun rapport à respect de la monde. Et nous-mêmes, dans le niveau cadre, nous pas d'accord et nous pas besoin d'accepter. Parce que faut l'État ça agit, faut le gouvernement ça agit,
pour éviter que Haïtiens prennent trop humiliation. Madame la Lune, en tant que mon cas. Dans le moment, il est trop tard. Parce que, en vertu du principe de la souveraineté, pas aucune leçon qu'il y a pour 2015. Non, ce non. Ça dit, bataille qui a mené son bataille de dialogue, son bataille diplomatique. Ça dit que Mounio rencontré avec les diplomates pour voir comment il a essayé d'alléger la peine haïtienne qui a déporté. Ça seulement. Mais Kounia, il y a une véritable réponse. Véritable réponse, c'est qu'il faut changer le mode de politique. Il faut changer la politique. Ça dit, n'est-ce qu'il y a un sénateur, député Kounia, au lieu de battre avec une pire, c'est battre un intérêt massacre pour éviter que Mounio ne migre vers les républicains. Quand il y a ce que ça pour faire, le gouvernement peut c'est mettre stabilité dans le pays pour éviter que si tu as 10 000 personnes qui peuvent aller, qu'il y a 5 000, c'est 2 000, c'est 3 000. Mais tout autant, nous ne pas stabiliser le pays, mettre la paix, mettre la sécurité, mettre l'école, permettre que chaque haïtien travaille, ou toujours jouer un flux d'haïtiens qui peuvent prendre humiliation et puis dominicain. Pourquoi est-ce que nous avons un compromis ou prendre une décision définitive? Comment? Est-ce que nous avons un compromis par rapport à ça? Nous pas un compromis, c'est question de diplomatie liée. Pas oublier que. La République dominicaine est grand monde tête li. Elle dit souveraineté, elle dit ou pas qu'à sortir en Haïti pour aller bailler monsieur l'autre, non pas capable. Kounya là, quand la République dominicaine pas vivre, et pour contre li, li dans région, li dans OEA, li dans Nations Unies, kounya ou même qui doit passer pour organiser ça, organiser régional ça, pour dire écoutez, pas la République dominicaine parce que le protocole a violé là. Moi, je comprends, protocole qui est signé en Haïti et République dominicaine sur la déportation.